Bonsoir. Inclinons nos têtes. Un moment pour la prière. Notre Père céleste, plein de grâce, nous nous approchons de toi ce soir encore au nom du Seigneur Jésus pour te remercier pour un jour nouveau. Et nous te demandons maintenant ta bénédiction sur la réunion ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et nous donne l'interprétation de ces choses que nous cherchons si diligemment. Ô Dieu, que cela soit si précieux pour nous, que nous puissions avoir communion autour de la parole d'une telle manière que lorsque nous partirons, nous puissions dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin? Nous te remercions pour ce qu'il a été pour nous et nous croyons qu'il restera avec nous alors que nous continuons notre voyage, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Si heureux d'être de nouveau dans la maison du Seigneur ce soir, dans la réunion à nouveau. Je suis si heureux, je pensais ceci, que cela ne viendrait pas, mais finalement c'est arrivé. Je suis si reconnaissant. Nous sommes ici dans le dernier de ces quatre cavaliers. Je pense que c'est un des messages les plus importants pour l'Église en ce moment. Je ne sais pas ce que sont les autres. Je les prends juste jour par jour, jour après jour. J'essaie de les rendre exactement comme il me les donne, comme il les révèle. Est-ce que vous appréciez ces bénédictions? Avez-vous remarqué comment cela correspond exactement avec les âges de l'Église? Ça correspond parfaitement avec eux. Pour moi, cela montre que c'est le même Saint-Esprit qui a donné le message des âges de l'Église. C'est le même Saint-Esprit parce que cela s'accorde parfaitement. Un seul et même acte de Dieu qui se montre de différentes manières. Lorsqu'il se montra à Daniel dans la vision, il y eut la représentation d'une chose semblable à un bouc, ou peut-être était-ce un arbre à cet endroit, et ailleurs c'était une statue. Cela représentait tout le temps la même chose. Pour être sûr que nous ne le manquions pas. J'étais vraiment très ému il y a un moment en parlant à une petite dame assise là qui avait environ 85 ans. Juste avant que je ne parte d'ici pour aller dans l'Ouest, il y avait une petite fille dans l'Ohio, je pense, qui est en train de mourir au dernier stade de la leucémie. La leucémie est un cancer du sang. Donc, la pauvre petite était dans un état si terrible. Il n'y avait plus aucun espoir pour elle. On la nourrissait par les veines. Une famille vraiment pauvre. Madame Kidd et frère Kidd ici leur ont parlé du Seigneur qui répondait aux prières et ils se mirent ensemble, je pense, pour engager quelqu'un pour amener la petite fille. C'est une très jolie petite fille d'environ 6, 7 ans, 9 ans. Elle était là dans la chambre et quand nous nous sommes approchés du Seigneur, le Saint-Esprit a donné une parole pour elle. Quand je pense dans quel état ils avaient dû l'amener et comment ils devaient la nourrir. Et quand ils s'en retournèrent, elle s'est mise à demander pour manger un hamburger qu'elle put manger avec sa bouche. Et ils lui ont donné alors que, et depuis lors, elle put manger normalement. Et quelques jours seulement après cela, ils l'ont ramenée chez le médecin. Et le docteur ne pouvait pas comprendre. Il disait qu'il semblait que ce n'était pas la même petite fille. Et il a dit, il n'y a plus aucune trace de leucémie nulle part. Et elle était mourante. Il l'avait abandonnée, se contentant de la nourrir par les veines. Elle était devenue toute jaune, vous savez. Et maintenant, elle est à l'école et elle joue avec les autres enfants
aussi heureuse que possible. Ça me rappelle un autre cas. Un jour, je venais de rentrer à la maison. Si je ne me trompe pas, il y avait là quelques personnes des épiscopaux, des presbytériens qui avaient amené du Kansas une petite fille. Et les médecins l'avaient abandonnée. Elle avait la leucémie. Je crois qu'ils lui donnaient 4 jours à vivre. Elle allait si mal. Alors ces gens, bravant l'hiver et les routes couvertes de neige, utilisèrent ces 4 jours pour venir pour qu'on prie pour elle. Et le grand-père, un vieillard de fort belle apparence, aux cheveux gris, il avait déjà pris 2 jours pour l'amener ici dans un petit motel du côté de Silver Creek. Je suis allé là ce soir-là pour prier pour elle. C'était très tôt le matin, j'étais revenu en ville cette nuit-là. Le vieux grand-père marchait de long en large dans la chambre et la mère essayait de soigner l'enfant. Et pendant que j'étais à genoux pour prier, le Saint-Esprit m'a révélé un secret qu'il y avait entre le père et la mère, quelque chose qu'ils avaient fait. Je les ai appelés sur le côté, je leur ai parlé à ce sujet, ils commencèrent à pleurer, ils ont dit c'est vrai. Alors j'ai regardé en arrière et j'ai vu la petite fille en train de sauter à la corde et jouer. Et maintenant, ce petit enfant, dans les 3 semaines, ils m'ont envoyé la photo de la petite fille de retour à l'école, sautant à la corde, plus aucune trace de leucémie. Ces témoignages sont l'absolue vérité. Notre Dieu est si réel. Servez-le simplement et croyez en lui. Je sais qu'il est réel. Maintenant, j'essaie de faire de mon mieux. Alors, tandis que quelque chose parmi nous est en train de se frayer un passage, nous allons essayer ce soir, par la grâce de Dieu, de prendre ce 4e sceau et de voir ce que le Saint-Esprit aura à nous dire à ce sujet. Maintenant, je vais lire dans Apocalypse chapitre 6, en commençant au verset 7. Versets 7 et 8, il y a toujours 2 versets. Le premier est l'annonce, et le deuxième, c'est ce qu'il a vu. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal disant, « Viens et vois. » Et je vis, et voici un cheval pâle. Et le nom qui était de celui qui était assis dessus était la mort, et le Hadès, l'enfer, le suivait. Et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Que le Seigneur nous aide maintenant à comprendre cela, c'est un mystère. Afin d'avoir une petite vue d'ensemble, comme nous l'avons fait avec cet âge de l'Église, ces cavaliers et le brisement de ces sceaux. Ainsi, nous remettrons en mémoire toutes ces choses en parlant un petit peu jusqu'à ce que nous sentions que c'est le moment approprié pour parler. Nous avons remarqué maintenant que le brisement des sceaux, c'est le livre scellé de la rédemption. Et ce livre est roulé comme un rouleau, comme on le faisait jadis. Ce n'était pas un livre comme ceci, cette sorte de livre, peut-être depuis quelques centaines d'années, 200. Alors, donc, ils roulaient le livre et ils en laissaient l'extrémité libre. Je vous ai dit comment cela se faisait et où dans les Écritures vous pouvez le trouver, dans Jérémie, ainsi de suite. Ensuite, le suivant était enroulé autour et ayant son extrémité laissée libre de cette manière, chacun d'eux était un sceau. Donc, c'était un livre scellé de 7 sceaux. C'est le livre de la rédemption scellé de 7 sceaux. Pardonnez-moi. Et personne, dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, n'était digne de l'ouvrir ou même de le regarder. Et Jean pleurait parce qu'il ne pouvait trouver personne. Car si ce livre n'était pas pris des mains de son propriétaire originel, il avait été perdu par Adam et Ève, et ils étaient retournés après qu'ils aient été déchus de leur droit de la parole, leur promesse, leur héritage.
Souvenez-vous qu'il contrôlait la terre. Il était un Dieu amateur car il était fils de Dieu et un fils de Dieu est un Dieu amateur. Ce n'est pas contraire aux Écritures, ça semble étrange, mais Jésus a dit, s'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et à qui donc la parole de Dieu vient-elle? Aux prophètes. Si vous appelez ceux à qui la parole est venue des dieux, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu, voyez? Ils étaient des dieux. Et si vous êtes né dans la famille dont vous portez le nom, vous êtes un fils et une partie de votre père. Quand le péché est entré, nous avons découvert que l'homme a franchi l'abîme et qu'il fallait apporter des bœufs, des boucs. Cela ne remettait pas jusqu'à ce que le véritable décolorant, l'agent blanchissant soit venu, celui qui pouvait prendre la tache du péché, la mettre complètement en pièces et la renvoyer au pervertisseur originel, Satan. Quand cela retourne à Satan, il attend le moment de son annihilation, qu'il soit complètement anéanti, annihilé. Ça montre ce que nous croyons. Nous croyons qu'il sera complètement éliminé, annihilé. Je crois que le péché sera décomposé et lorsqu'il est confessé sur la base du sang de Jésus-Christ, c'est comme laisser tomber une goutte d'encre noire dans un seau d'eau de Javel. Il se décompose en ses éléments et retourne directement d'où il est venu. Et c'est ainsi que fait le sang de Jésus-Christ. Cela rétablit l'homme de l'autre côté de l'abîme comme fils de Dieu. Alors il devient, c'est la puissance créatrice de Dieu est en lui. Du moins, on peut commander que cela soit fait. Cela revient là. Moïse, sous le sang des taureaux, lorsqu'il rencontra cette lumière, la colonne de feu dans le buisson ardent, il s'est tenu là à la suite de la commission que Dieu lui avait donnée. Il était prophète. Et quand la parole de Dieu est venue vers lui, il a parlé. Et même des choses furent créées par la parole. S'il pouvait faire cela sous le sang des taureaux, qu'en est-il du sang de Jésus? Ne couvre pas, mais remets complètement et vous vous tenez en présence de Dieu comme un fils racheté. Oui. L'Église est bien au-delà de son niveau de vie. Je pense que trop souvent nous examinons au lieu de réellement sortir et faire face aux problèmes. Il y a quelque chose que je voudrais dire, et je le dirai en son temps. Remarquez, il y a quelque chose de faux quelque part dans les églises. Et je pense que ce sont les systèmes dénominationnels qui ont tordu la pensée des gens au point ils ne savent plus comment faire. Mais nous avons la promesse que ce serait révélé. Et maintenant, ces sept sceaux par lesquels ce livre est scellé, et ensuite, après que ces sept sceaux sont terminés, nous trouvons dans Apocalypse 10 qu'il y a sept mystérieux tonnerres que Jean a reçu la commission d'écrire, mais ensuite il lui fut interdit d'écrire cela. Mais au temps de ces tonnerres, nous voyons Christ ou que l'ange descend avec un arc-en-ciel et qu'il pose ses pieds sur la terre et sur la mer et qu'il jure que le temps s'est écoulé à ce moment-là. Alors nous découvrons dans la révélation des sceaux que l'agneau a quitté son œuvre médiatrice comme intercesseur et qu'il est venu maintenant pour faire valoir ses droits. Tous ceux qu'il a rachetés par sa mort. Et personne ne pouvait ouvrir le livre, personne ne le comprenait. C'était un livre de rédemption et Dieu, le Père, l'Esprit le tenait dans la main, parce que Christ était sur le trône, en tant que médiateur, le seul médiateur. C'est pourquoi il ne pouvait y avoir aucun saint, aucune Marie, aucun Joseph, quoi que ce soit, sur cet autel, parce que c'était le sang, et seul le sang de Jésus pouvait faire l'expiation. Ainsi, il n'y avait rien d'autre qui pouvait se tenir comme médiateur. C'est vrai. Il n'y avait rien d'autre. C'est pourquoi cette idée d'intercéder avec Jude pour la politique, avec Sainte Cécile pour autre chose, c'est du non-sens. Je ne dis pas que les gens ne sont pas honnêtes et sincères. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincères en faisant ces choses, mais vous avez tort.
Vous êtes sincèrement dans l'erreur. Et si vous dites, eh bien, cet ange est apparu à Saint Boniface et lui a dit ceci ou cela, alors il faut faire ceci, cela. Je ne doute pas de cela, que quelqu'un ait vu la vision. Je ne doute pas que Joseph Smith ait eu la vision, mais ce n'était pas en accord avec le reste de la parole. Ainsi, pour moi, c'est faux. Cela doit correspondre avec l'ensemble de la parole. C'est pareil avec les âges de l'Église, les sceaux et tout le reste. Et si quelqu'un pense qu'il a ces sept tonnerres, si ça ne se correspond pas avec le reste de la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit venir, ainsi dit le Seigneur. Car ceci est le livre, c'est la révélation de Jésus-Christ dans son entièreté. Alors je crois que l'agneau s'est avancé. Jean pleurait. Il ne pouvait trouver personne dans le ciel ou sur la terre, parce que tout était de l'autre côté de l'abîme, voyez, le péché. Il n'y avait aucun homme. Certainement qu'un ange aurait été digne, après tout. Mais il fallait que ce soit un parent rédempteur, il fallait que ce soit un être humain. Et il n'avait rien de tel, parce que chaque homme était né par le sexe. Il en fallait un qui fût né sans le moyen du sexe. C'est pour la raison, Dieu lui-même a pris cette place par la naissance virginale et qu'il est devenu Emmanuel, et son sang était le seul qui soit digne. Et alors, quand il a franchi lui-même cet abîme pour payer le prix et jeter un pont pour nous, alors il s'est établi comme médiateur. Et il est assis là. Et le livre était fermé pendant tout ce temps. Il est là, mais en symbole, ils l'ont vu. Jean même a entendu l'annonce et il le vit s'avancer. Et il dit, un cheval blanc s'avance. Et un cavalier, et il tient un arc dans la main. Ce sont des symboles, ce n'est pas révélé. Non, ce sont simplement des symboles. Et il ne pouvait rien dire de plus que n'importe quel homme sur la terre. C'est tout ce qu'il pouvait dire, c'est vrai. Il pouvait s'achoper, trébucher, sans doute, toucher quelque chose ici ou là, et après un moment. Mais nous découvrons ensuite que dans le livre de la Révélation, au message du septième ange, les mystères, tous les mystères de ce livre seraient déjà révélés en ce temps-là. C'est Apocalypse 10, de 1 à 7, qui seraient révélés selon ce temps-là, au temps où il le ferait. Alors les sept tonnerres feraient entendre leur voix étrange, et Jean s'apprêtait à écrire. Jean savait ce que c'était, mais il ne l'a pas écrit, parce qu'il lui fut interdit d'écrire. C'est un mystère complet, absolu. Ce n'est même pas sous forme de symbole ou autre. Nous savons simplement qu'il a tonné, c'est tout. Et en étudiant cela, n'oubliez pas, dimanche matin, nous n'avons pas de service de guérison parce que je vais donner les réponses aux questions des gens. J'aimerais que vous posiez aussi des questions sur ces sept sceaux. S'il y a quelque chose qui vous trouble, quelque chose que vous ne comprenez pas, posez des questions sur les sept sceaux. Et alors, samedi soir, je pourrais vous dire s'il y en a assez pour que j'y réponde. Et quelque chose d'autre, devrais-je faire ceci, ou j'ai eu un songe. Tout ça sont des choses dignes, bien sûr, mais restons simplement avec les sept sceaux, c'est là-dessus que nous sommes. Les réunions sont consacrées pour les sept sceaux, restons avec cela. Je dois bientôt rentrer à la maison, je dois tenir quelques réunions dans l'Ouest, ensuite je reviendrai dans un mois ou deux, et peut-être, si le Seigneur le permet, nous pourrons peut-être alors avoir un service de guérison ou autre chose. Et il y a encore sept trompettes qui doivent venir, voyez. Et aussi les sept coupes qui doivent être versées. Et tout cela est lié ensemble, mais c'est encore mystérieux. Hier soir, nous avons vu que le premier sceau est sorti, et le cavalier, et que le Seigneur m'aide, je ne savais pas avant. Et aucune de ces choses, je ne les connaissais avant, c'est juste. Je monte simplement dans ma chambre, je prends ma Bible, je m'assieds là, jusqu'à ce que, quand les choses commencent à jaillir, alors je prends simplement ma plume et je me mets à écrire. Et je reste là, peut-être pendant des heures, jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, je reviens. Alors j'ai vu où il a dit cela. Il semble que j'ai vu ça quelque part, je prends ma concordance et je cherche. Et voilà, c'est ici, juste là. Et ici, à nouveau, et là, plus loin, et là. Et je relis tout cela ensemble, et je sais que c'est Dieu, aussi longtemps que ça se compare écriture avec écriture. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est comme quand on construit une maison. Chaque pierre doit s'ajuster l'une à l'autre. Maintenant, hier soir,
nous avons eu l'ouverture du troisième sceau. Premièrement, il y a un cheval blanc, et ensuite un cheval roux, et puis un cheval noir. Et nous avons découvert que les cavaliers, c'était le même cavalier tout le temps. Et c'était l'Antéchrist dès le commencement. Il n'avait pas de couronne, mais il en a reçu une plus tard. Et ensuite, nous découvrons qu'il lui fut donné une épée afin d'enlever la paix de la terre. Et nous avons découvert que c'est ce qu'il a fait. Et après cela, il est venu avec ses dogmes afin d'acheter l'Église, a pris d'argent, un denier pour ceci, deux deniers pour cela. Mais il lui fut interdit de toucher à l'huile et au vin. C'est ce qui était le restant, ce qui restait. Et nous sommes arrêtés hier soir avec l'illustration de ce qu'était l'huile et le vin et leurs effets. Ça semblait peut-être un peu brutal, mais c'est l'exacte vérité. Maintenant, nous sommes arrêtés un petit peu en parlant de cela. Et nous sommes restés avec la puissance du vin, ce que l'huile représente l'esprit. Je pense que vous avez tous noté cela. Sinon, vous le trouvez sur bande et vous trouverez aussi des références aux Saintes Écritures. L'huile symbolise toujours le Saint-Esprit, comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, alors que les vierges sages avaient de l'huile, ce qui est le Saint-Esprit. Et nous voyons cela dans les prophètes et ainsi de suite. Bien sûr, je n'essaierai pas de prendre ici chaque passage de l'Écriture. Il y a des choses dont je ne peux même pas parler, car cela prendrait trop de temps. Mais j'essaie de donner juste quelques passages des Écritures afin que les gens puissent savoir, vous voyez, et qu'ils puissent en voir le tableau. Mais si vous vous mettez à étudier l'un de ces sceaux à fond, eh bien, vous pourriez prendre un mois pour chaque sceau, sans même à peine effleurer le sujet. Tellement il y a des choses. Mais on touche simplement les points principaux, et puis à ce moment-là, vous pouvez voir ce dont il s'agit. Maintenant, comme l'huile symbolise le Saint-Esprit, nous avons découvert que l'huile et le vin sont connectés dans l'adoration. Toujours connectés dans l'adoration. Le vin, ce qui est venu vers moi, le vin symbolise la puissance de la stimulation par révélation. C'est lorsque quelque chose a été révélé, cela donne de la stimulation aux croyants, parce que c'est présenté par révélation. Voyez? C'est quelque chose que Dieu a dit. C'est un mystère, vous ne pouvez pas le comprendre. Après un temps, Dieu descend et il le révèle. Et ensuite, il le confirme. Souvenez-vous, si la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée. Dieu, constamment, peu importe combien la personne peut être intelligente, brillante dans sa pensée, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, quelque chose ne va pas. C'est vrai. Parce que c'est la parole. Maintenant, quand Moïse est sorti sous l'inspiration de Dieu et qu'il a dit que des mouches viennent, des mouches sont venues. Il a dit que des grenouilles viennent, des grenouilles sont venues. Et s'il avait dit que des mouches viennent et qu'elles ne soient pas venues, voyez, eh bien alors il n'aurait pas parlé la parole du Seigneur. Il aurait simplement parlé sa propre parole. Il aurait pu penser qu'il devrait y avoir des mouches, mais aucune ne serait venue parce que Dieu ne lui avait pas dit. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, va faire ceci et je serai avec toi parce que c'est ma parole et qu'il le montre dans la Bible, alors Dieu se tient derrière cela. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu se tiendra derrière malgré tout si c'est la parole de Dieu. Voyez? Alors si c'est en dehors de cela, c'est révélé au prophète. Nous nous rendons compte que tous les mystères de Dieu sont connus, rendus, se font connaître aux prophètes et à eux seuls. Amos 3:7. Maintenant, la puissance de la révélation apporte la stimulation aux croyants. Comme la puissance du vin naturel est de stimuler, vous voyez? C'est d'amener une personne qui est toute effondrée dans la stimulation. Oui. Maintenant, il y a une puissance de la révélation, de la parole, qui donne la stimulation de la joie aux croyants. Une stimulation de satisfaction. La stimulation de ce qui est confirmé, prouvé,
C'est dans les Écritures, comme nous voulons nous y référer comme le vin nouveau. Nous le référons toujours comme cela, cette expression, ils sont ivres de vin nouveau, voyez. Ou de vin spirituel, je pense que la meilleure interprétation serait le vin spirituel, comme le vin naturel se révèle dans une puissance stimulante, de même le vin nouveau lorsqu'il révèle la parole de Dieu qui est esprit. Vous voyez? La parole elle-même est esprit. Croyez-vous cela? Lisons-le. Saint Jean 6. Alors vous ne direz pas, quelqu'un l'a dit, mais voyons-le. Alors nous saurons si c'est la vérité ou pas. Saint Jean chapitre 6. Sixième chapitre, et je crois que c'est le verset 63. Très bien. Je pense que c'est ça. Oui. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La parole elle-même est esprit. C'est l'esprit sous la forme de parole. Et alors, voyez, quand elle est vivifiée ou amenée à la vie, l'esprit de la parole commence à agir. Voyez? Maintenant, regardez ici. Une pensée doit être une pensée avant que ce soit une parole. Et alors, quand une pensée est présentée, c'est la parole. Maintenant, ceci, ce sont la pensée de Dieu qu'il a placée dans la parole. Et lorsque nous la recevons de lui, cela devient une parole. Dieu a révélé à Moïse ce qu'il devait faire. Moïse a parlé la parole et c'est arrivé. Voyez? Quand cela vient réellement de Dieu. Maintenant, nous voyons que cela stimule et donne de la joie parce que c'est la parole de Dieu et le vin nouveau stimule quand il révèle la parole. Alors il apporte une joie, parfois au-delà de toute mesure. Nous avons vu cela. Une telle joie au point qu'elle vous submerge. Je sais qu'il y a beaucoup de fanatisme et que des gens font toutes sortes d'histoires. Je pense qu'ils le font quelquefois avec de la musique rythmée, ils sautent et tout. Et je sais que ça se passe ainsi. Je crois cela aussi. J'ai vu des gens, aussi longtemps que la musique durait, ils criaient et ils sautaient, mais lorsque la musique s'arrêtait, ils s'arrêtaient. En ce qui me concerne, je n'ai rien contre ces gens aussi longtemps qu'ils vivent correctement, mais il faut commencer à apporter la parole. Maintenant, c'est la chose qui apporte vraiment la vie, c'est la parole. Et cela amène la joie et la stimulation du vin nouveau. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, quand la parole fut confirmée. Maintenant, écoutez. Ce que Jésus leur a dit, Luc 24:49, « Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que... » Quelle était la promesse du Père? Joël 2:28, « Nous voyons qu'il répandrait l'Esprit. » Ésaïe 28:19 nous montre qu'ils y auraient des lèvres balbutiantes, d'autres langues et toutes ces choses. Ils sont montés là. Peut-être que quelqu'un avait dit, « Je crois que nous avons assez long. » Attendu assez longtemps. Attendons simplement par la foi. C'est une bonne doctrine baptiste, mais avec cela, frère, cela ne marcha pas. Pour commencer, il fallait que cela devienne une réalité. Et ils se sont attendus à leur ministère pour que la parole soit confirmée. Et quand vous venez pour chercher le Saint-Esprit, faites la même chose. C'est vrai, vous ne pouvez l'accepter par la foi. Vous devez accepter Christ par la foi, c'est exactement vrai. Et vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Mais ensuite, laissez le Saint-Esprit venir vous donner la circoncision en témoignage qu'il a accepté votre foi, voyez. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice, mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme confirmation qu'il avait accepté sa foi. Ainsi, c'est la même chose. Nous devons attendre le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Ce n'est pas nécessairement parce que nous avons parlé en langue, parce que nous avons dansé, que nous avons des émotions, poussé des cris, jusqu'à ce que nous soyons changés, que quelque chose se soit vraiment produit, peu importe comment cela vient.
Ce qui compte, c'est que ça vienne, c'est la chose principale. Je crois dans le parler en langue et toutes ces autres choses, c'est très bien, mais ça n'a pas d'effet par elles-mêmes, vous savez qu'elles n'auront pas d'effet. Ainsi, j'ai vu des sorciers, j'ai vu des magiciens parler en langue et danser dans l'esprit, sûr. Un crayon écrivait tout seul sur une feuille de papier dans une langue inconnue, et quelqu'un interprétait. Et c'était la vérité, c'est vrai. Il avait écrit exactement ce qui est arrivé. C'était exactement ainsi. J'en ai vu se jeter de la poussière sur la terre, se faire des entailles avec un couteau et se barbouiller de sang, voyez, et invoquer le diable. Ainsi, vous voyez, parler en langue, c'est pas ça qui le fait. Même si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, même si je pouvais le faire. Ainsi, ces choses ne signifient pas que vous avez le Saint-Esprit, mais lorsque lui, la personne, l'Esprit immortel de Christ devient votre sauveur personnel et qu'il vous change et dirige vos vues directement vers le calvaire dans sa parole, quelque chose est arrivé, certainement. Quelque chose est arrivé. Personne n'aura besoin de vous le dire. Vous le saurez quand ça arrivera. Le vin nouveau, il apporte la révélation. Alors c'est révélé et c'est ainsi que c'était à la Pentecôte. Ils savaient. Un esprit était censé se déverser sur eux et ils ont attendu jusqu'à ce que ça arrive. Et quand la confirmation de la révélation est arrivée, alors la stimulation fut sur eux. C'est sûr. Ça a fait jaillir la vapeur. Ils sont descendus dans la rue. Alors que jusque-là, ils avaient peur, ils avaient les portes fermées. Et maintenant, ils sont descendus dans la rue en prêchant l'Évangile à ces gens même qu'ils craignaient. C'est vrai. Vous voyez, quelque chose était arrivé parce que la vraie parole de la promesse avait été confirmée. Maintenant, arrêtons-nous ici une minute. Si cela a amené quelque chose d'aussi positif pour ces hommes, que pratiquement tous ont scellé leur témoignage avec leur sang, peu importe ce qui est arrivé, pendant tout le reste de leur vie, ils ne purent jamais l'oublier. C'est resté là parce que c'était la véritable parole de la promesse confirmée. La révélation est devenue confirmée. Et ils sont morts, scellant leur témoignage avec leur propre sang. Considérez maintenant la promesse dans les derniers jours. Et ici, nous la voyons confirmée, droit devant nous, la venue présente du Saint-Esprit et les œuvres qu'il était censé faire, nous le voyons juste au milieu de nous. Oh, nous devrions, oh là là! Comment quelque chose est en train de se passer, les amis, lorsque le véritable croyant, sincère, prédestiné, quand cette lumière touche cette semence, quelque chose jaillit dans une vie nouvelle. Cette petite femme, au puits, quand ces prêtres érudits, vous avez dit, bien, c'est le diable, c'est un diseur de bonne aventure, il ne fait que dire aux gens la bonne aventure, c'est un démon. Mais quand cette pauvre petite femme, avec cette semence prédestinée, maintenant, vous pensez que ce n'est pas vrai, mais Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et l'Antéchrist dans les derniers jours, cet esprit Antéchrist que nous sommes en train d'étudier dans la dénomination, nous avons la preuve que le dénominationnalisme est Antéchrist. Maintenant, n'importe qui peut marcher ici et croire que le système n'est pas Antéchrist. Eh bien, c'est qu'il y aurait quelque chose de faux en lui. Il est absolument prouvé par l'histoire et par tout le reste, et en parcourant la Bible de Dieu, d'un bout à l'autre, que c'est Antichrist, et que Rome est à la tête, et que l'Église fille suit exactement le même chemin, et toutes les deux seront jetées dans les temps de feu. C'est vrai. Nous voyons donc ces choses qui ont l'esprit de l'Antichrist, et le jour dans lequel nous vivons devrait nous apporter une joie ineffable et pleine de gloire. Aussitôt que cela a touché cette pauvre femme, la semence a jailli. Rappelez-vous que la Bible dit que dans les derniers jours, cet Antichrist séduirait le monde entier. Il ne resterait qu'un petit nombre dont le nom fut inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et quand cette vraie confirmation de la vérité de la parole révélée touche un cœur, le Saint-Esprit vient de l'au-delà aussi vite qu'il le peut, et vous ne pouvez l'arrêter, car c'est une vie nouvelle qui jaillit.
Dernièrement, je parlais à quelqu'un. Il essayait de me contredire en disant, « N'avez-vous pas honte de dire que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours? » J'ai répondu, « C'est ce que dit la Bible. » Il dit, « Nous avons des preuves qui nous permettent d'affirmer que le monde est vieux de millions d'années. » Je dis, « Ça n'a aucun rapport. » Dans Genèse 1:1, il est dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. » La terre était informée vide. Et je dis, je crois que chaque semence se trouvait là, venant de quelque autre civilisation, quelque autre chose. Et aussitôt que l'eau s'est retirée, que la lumière a frappé la terre, les arbres et toutes choses commencèrent à se développer. Et c'est la même chose avec l'être humain, c'est un type. Quand toutes les brumes se sont dissipées et que la vérité révélée à cette semence véritable gisant l'a fécondée et que la lumière de l'Évangile peut la toucher par une véritable confirmation de la parole, elle vivra parce qu'elle a la vie en elle. Hors de cela, elle ne peut pas vivre, parce qu'il n'y a pas de vie en elle. Leurs noms furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Elles sortiront, c'est absolument certain. C'est pourquoi Jésus est assis là et attend avec son œuvre médiatrice jusqu'à ce que cette dernière semence, il saura exactement quand il doit frapper, comme le disait le docteur Lee Vail. Je pense qu'il est encore là quelque part dans la salle, il y a des jours que je ne l'ai pas vu. Il est ici. Et l'autre jour, il m'a envoyé une note au sujet de ce qu'avait dit Irénée. J'ai contrôlé longuement la vie d'Irénée pour m'assurer qu'il était l'ange de son âge. Irénée a dit, dans ce dernier âge, quand le dernier membre du corps sera entré, en ce temps-là, la chose sera révélée. Et nous y sommes exactement. Voyez, nous sommes en ce jour-là. Très bien. Les pentecôtistes eurent des moments de joie ineffable. Ils furent véritablement stimulés comme n'importe qui le serait. Pensons un moment à David. Il reçut lui aussi la stimulation. Il a dit, « Ma coupe déborde !» Je veux dire qu'il a réellement eu un glorieux événement dans sa vie. Qu'est-ce qui lui a fait dire cela? Quand il était dans l'esprit, car il était un prophète, nous le savons, la Bible le dit, prophète David, il était un prophète, il était dans l'esprit, et il vit la résurrection. Si vous voulez lire cela, c'est dans le psaume 16, de 8 à 11. Il a dit, « Ma chair est dans la joie. Maintenant, je repose dans l'espérance, parce que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, ni ne permettras que ton sein voie la corruption. » Je vous le dis, sa coupe s'est mise à déborder. Parce que, quoi qu'il en soit, il a vu la résurrection et sa coupe débordait. Il a une autre coupe qui a débordé dans 2 Samuel 6, 14, si vous voulez le noter. Samuel 6, 14. Il y avait eu une période de sécheresse. L'arche avait été emportée. L'ennemi était venu et s'était emparé de l'arche du Seigneur, l'avait emmené et placé devant Dagon. Et Dagon était tombé sur sa face. Ils avaient alors emporté l'arche dans une autre ville où des plaies éclatèrent. Ils n'eurent jamais entre les mains quelque chose d'aussi brûlant. Ils ne savaient pas comment s'en débarrasser parce qu'elle n'était pas à sa place. Aussi la mirent-ils sur un char à bœufs pour la renvoyer en son lieu. Et lorsque David vit l'arche venir, savez-vous ce qu'il a fait? Il fut tellement rempli que sa coupe déborda de stimulation. Ayant vu la parole révélée revenir en Israël, il a dansé dans l'esprit autour d'elle. Sa coupe débordait. Pourquoi? Parce qu'il voyait la parole revenir. Et je pense que n'importe qui devrait ressentir cette stimulation à la vue de ce qui s'est passé après toutes ces années. Et alors, la véritable parole nous a été apportée selon la promesse qu'elle nous a été confirmée. Oh, quel temps, quel temps. Maintenant, lisons. Si je parle tout le temps, je n'arriverai pas à mon sujet et je serai obligé de rester jusqu'à 10h30. J'ai fini tôt hier soir aussi. Ce soir, je vais pouvoir vous retenir plus longtemps. Non, je plaisante, bien sûr. Je vous taquine un peu. Nous ferons simplement comme le Seigneur conduira. Et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant, « Viens y voir. » Or, quand l'agneau eut ouvert le quatrième sceau, arrêtons-nous là, quatrième sceau. Qui l'a ouvert? L'agneau. Quelqu'un d'autre était-il digne? Personne d'autre ne pouvait le faire. Non. C'est l'agneau qui a ouvert le quatrième sceau. Et le quatrième animal, un être vivant comme un aigle, a dit à Jean, « Viens voir. » Le quatrième mystère du plan de la rédemption qui est caché dans ce livre, parce que l'agneau était en train de l'ouvrir. En d'autres termes, c'est ce qu'il disait. Il y a un quatrième mystère ici. Je vous l'ai montré avec des symboles.
Or, Jean, je ne sais pas si vous avez compris ou pas, mais il écrivait ce qu'il voyait. C'était un mystère. Ainsi, il ne pouvait pas décrire ce qu'il voyait. L'agneau brisait le sceau, et Dieu n'allait pas encore le révéler. C'était laissé pour les derniers jours. Voyez? Nous avons eu des symboles, nous avons sondé, parfois très bien, voyez? Mais nous savons que les choses ont avancé. Mais maintenant, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que cela a été, ce qui doit être fait à la fin des âges de l'Église, juste avant l'enlèvement. Comment peut-on faire passer l'Église par la tribulation? Je ne sais pas. Pour quelle raison passerait-elle par la tribulation alors qu'elle est sans péché? Je ne veux pas dire l'Église. L'Église passera par la tribulation, mais je parle de l'épouse. Non, aucun péché ne peut être imputé à l'épouse. Ils ont été blanchis, il n'en reste même pas l'odeur. Il n'en reste rien. Elle est parfaite devant Dieu. Elle n'a pas besoin de la tribulation pour être purifiée, mais les autres en ont besoin. L'Église passe par la tribulation, mais pas l'épouse. Maintenant, nous prenons cela dans toutes sortes de symboles, comme l'Église, dont Noé est un type qui est sorti du péché, et ils en sont sortis, mais Enoch est parti avant le déluge, et c'était le type des saints qui partirait avant la tribulation. Nous voyons maintenant que cet agneau a ouvert le sceau. Remarquez que le premier animal que nous avons trouvé, le premier animal était un lion, une créature vivante. Nous avons vu cela dans le livre des âges de l'Église. Et ensuite, le deuxième être vivant, la face d'un bœuf ou d'un veau. Et le troisième animal avait la face d'un homme. Mais le quatrième animal avait la face d'un aigle. C'est exactement de cette manière que nous les avons vus se succéder, et c'est même exactement ainsi qu'ils sont placés dans le livre ici. Et une fois en Floride, un grand prédicateur qui disait que le livre des Actes n'était rien de plus qu'un échafaudage pour l'Église. L'Église, elle, se trouvait dans les quatre évangiles. Et nous trouvons vice-versa de cela, que c'est exactement le contraire. Ce sont les quatre évangiles qui gardent le livre des Actes. C'est à partir des quatre évangiles que le livre des Actes est écrit, les Actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et nous découvrons encore dans ce livre que ces gardiens se tiennent là, surveillant l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Rappelez-vous comment nous avons dessiné ces choses ici, comment tout cela vient parfaitement à sa place. Remarquez ce qui se passe quand il est dit à Jean, « Viens et vois ». Je veux que vous remarquiez à nouveau. Ici, le dernier des cavaliers qui vient révéler l'œuvre de l'Antichrist. Demain soir, il y aura les âmes sous l'autel, le soir suivant le jugement, et le soir suivant le départ, à la fin de l'âge, à la fin de toute chose, quand elle est enlevée. Et juste là, dans ce septième sceau, ces coupes sont versées et tout le reste est versé. Ce qu'elles sont, je ne sais pas. Remarquez. Mais maintenant, ici, nous voyons que ce personnage ici est un aigle. Cet homme, cette créature vivante. En d'autres mots, il y a quatre âges différents. Il y a eu un âge du lion. Nous trouvons que ceci est le quatrième âge. Et il dit, viens et vois le quatrième mystère du livre de la rédemption qui est caché dans ce livre, viens et vois. Et Jean est allé voir et il a vu un cheval pâle. Et de nouveau, le même cavalier sur ce cheval pâle. Maintenant, il a un nom appelé la mort. Remarquez, aucun autre cavalier, les autres chevaux, n'a jamais eu de nom auparavant. Mais maintenant, il est appelé la mort. C'est pas mentionné. Oui. Il est révélé maintenant ce qu'il est, c'est la mort. Eh bien, nous pourrions rester là-dessus toute une prédication pour le rendre clair. Tout ce qui est anti et contre le réel, ça doit être la mort parce qu'il n'y a que deux sujets, c'est la vie et la mort. Et cela prouve que la révélation du Saint-Esprit en ce jour
est l'exacte vérité, l'anti. C'est la mort. Parce que la parole, comme nous le verrons plus tard, c'est la vie. Voyez? Et cet homme est appelé la mort, maintenant. Les autres fois, le nom de ce cavalier n'était pas mentionné. Mais maintenant, nous voyons qu'il est mentionné, il est appelé la mort. Mais sous la révélation du lion, faites bien attention, je veux lire ceci exactement afin d'être sûr. Pas sous la révélation du lion, de l'âge du lion, ou du premier âge, l'âge primitif, que cela fut révélé. L'âge suivant était l'âge du bœuf, l'âge des ténèbres, le Moyen Âge. Ce n'est pas non plus révélé. Maintenant, l'être vivant de la sagesse, ayant une apparence d'homme, représentant les réformateurs, Luther, Wesley et les autres, n'a pas été révélé. Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, l'âge prophétique, c'est là où doit se lever le prophétique, les paroles prophétiques, à qui le secret vient toujours. Nous allons nous arrêter un instant là-dessus, afin que vous compreniez complètement. Vous vous rendez bien compte que la plupart du temps, je ne parle pas seulement au groupe ici présent. Les bandes vont partout, vous voyez. Il faut que ce soit clair, parce que si quelqu'un ne reçoit qu'une seule bande et non pas l'ensemble des prédications, il faut quand même qu'il puisse comprendre. Dieu a promis ceci pour ce jour, afin d'apporter la dernière conclusion à toutes ces choses différentes qui étaient tombées dans le mélange. Nous avons eu les vêtements d'Élie, le manteau d'Élie, il y a eu des gens, John Alexander Dowie est enterré quelque part, enveloppé dans une longue robe, il disait qu'il était Élie, et nous avons eu toutes sortes de choses comme ça. De toute manière, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est que pour ôter une vérité qui va être présentée. Voyez, il y a eu des faux Christ bien avant le temps de Jésus. Il y en a toujours eu. C'est Satan qui produit une contrefaçon destinée à renverser la pensée et la foi des gens avant que la chose n'arrive réellement. Voilà tout. Gamaliel n'a-t-il pas dit la même chose aux Juifs? Il a dit, n'y a-t-il pas eu un homme qui s'est élevé et a prétendu être cela, et auquel se rallièrent 400 hommes qui sortirent dans le désert et périrent? Jésus a dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera arrachée. Gamaliel encore, laissez-les tranquilles, si ça ne vient pas de Dieu, eh bien, ça va tomber à rien. Mais si cela vient de Dieu, vous allez être trouvés combattant contre Dieu. Cet homme avait de la sagesse, et c'était un docteur de la loi. Remarquez, pour terminer, rassembler tous ces mystères. Dieu a promis que s'élèverait un authentique Élie, un homme oint de cet esprit, et qu'il apporterait la révélation. Il l'a promis dans Malachie 4. J'ai ici des lettres et des notes qui prétendent qu'il n'en est pas ainsi, mais je voudrais m'adresser à cette personne. Vous ne pouvez nier que ce que je viens de dire est vrai. N'importe quel théologien sait que c'est la vérité. C'est ce qu'ils attendent. Mais ce sera exactement de la même manière que lorsqu'ils vinrent vers Jean, le précurseur de la première venue de Christ. S'ils ne le reconnurent point, c'est parce qu'il y eut tellement de choses glorieuses prophétisées à son sujet. Il devait abaisser tout lieu élevé, élever tous les lieux bas, et aplanir tous les lieux raboteux. Ésaïe, 712 ans avant sa naissance. Malachie, 400 ans avant qu'il n'entre en scène. Tous prophétisèrent de lui. Ils s'attendaient à voir une sorte de couloir s'ouvrir du ciel, et ce prophète venait directement de Dieu, tenant son bâton à la main. Mais qu'est-il arrivé? Un homme qui ne pouvait même pas montrer une carte de membre, ni aucune pièce justificative, qui est restée là dans le désert, n'ayant même pas une instruction primaire. Les historiens nous apprennent qu'il est allé dans le désert à l'âge de 9 ans, à la mort de ses parents. Son travail était trop important pour être gâché par un séminaire. Il devait annoncer le Messie. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas, car cet homme déviera toujours de nouveau dans sa ligne d'enseignement. Il va toujours y revenir. Ainsi, lorsqu'il voit quelque chose, il essaie de le ramener à ce que les docteurs ont enseigné.
alors qu'il ferait mieux de se tenir éloigné de ces choses et de simplement croire Dieu. Et nous trouvons qu'ils l'ont manqué, même les apôtres qui se tenaient là l'ont manqué. Ils disaient, les Écritures, les scribes, ne disent-ils pas qu'Élie, il leur a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voilà comment je vois le modèle de l'enlèvement. Je sais que cela semble étrange, mais peut-être que vous en saurez un peu plus après ce soir, Dieu voulant. Vous saurez comment ce sera. Ce sera tellement secret que pratiquement personne ne le saura. Le monde continuera simplement à faire comme il l'a toujours fait. Voilà toujours comment cela a été. Vous savez, je pense que peut-être même pas une personne sur 10 000 des gens sur la terre n'a reconnu Jésus-Christ lorsqu'il était parmi nous. Vous savez, quand Élie prophétisait, je pense que pratiquement personne ne savait qui il était. Il savait qu'il y avait là-haut un gars bizarre, un vieux fanatique, mais il le haïssait. C'est ce qu'ils appelaient un drôle d'oiseau. Je pense que chaque chrétien né de nouveau est en quelque sorte un drôle d'oiseau pour le monde, parce qu'il a été changé, vous êtes dans un autre monde. Votre esprit est venu de l'autre côté de l'abîme, alors qu'ici, en bas, tout est un tel gâchis. Vous n'êtes pas différent, c'est ce qu'il y a quelque chose Si vous n'êtes pas différent, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Vous êtes encore trop lié à la terre. Votre pensée devrait tourner vers le ciel vit par la parole. Maintenant, nous remarquons que cette chose glorieuse s'est produite. Nous croyons qu'il doit y avoir une venue du véritable esprit d'Élie. Cela a été prédit, vous voyez. Et nous devons nous rappeler qu'il sera ici, en sa propre saison, en son temps. Il se pourrait que nous soyons maintenant en train de poser une fondation pour cela. Et ce ne sera certainement pas une organisation. Maintenant, je suis en désaccord avec un de mes bons amis. Il dit que ce sera un groupe de gens. J'aimerais que vous me montriez cela par les Écritures. Dieu, le Dieu immuable, ne change jamais ses plans. S'il le faisait, alors il n'est pas Dieu. C'est juste parce qu'il serait immortel, n'en sachant pas plus que moi et commettant des erreurs. Dieu n'a jamais changé son plan depuis le temps même du Jardin d'Éden. Il a fait un plan de rédemption et c'est le sang. Et nous avons essayé l'instruction, la dictature, la psychologie. Nous avons essayé les dénominations, nous avons tout essayé pour mettre les gens ensemble, pour les faire s'aimer et tout le reste. Il n'y a pas d'autre lien de communion si ce n'est sous le sang. C'est le seul terrain sur lequel Dieu rencontre l'homme. Dieu agit toujours avec l'individu. Là où il y a deux hommes, il y a deux idées. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre en même temps prophétisant. Regardez dans l'histoire et voyez si ce n'est pas comme ça, certainement. Il y aurait trop de confusion. Ce doit être un homme complètement abandonné entre les mains de Dieu et Dieu utilise cette personne. Il cherche cette personne. Il y en aura un jour, quelqu'un qui l'écoutera parole pour parole, peu importe ce que dira quelqu'un d'autre, il ne bougera pas de là. C'est vrai. Il attendra le « ainsi dit le Seigneur » et il ne bougera pas jusque-là. Il sera correctement confirmé. Bien sûr que le monde extérieur le haïra, mais la semence élue, la semence prédestinée, quand cette lumière brillera, cette semence viendra à la vie pareillement. Vous le connaîtrez, vous le comprendrez, vous n'aurez pas à dire à moi à ce sujet. La Samaritaine a dit, « Seigneur, je perçois que tu es un prophète. Je sais que ton Messie viendra. » Il a dit, « C'est moi. » Oh, mes frères, cela suffit. Elle n'a pas eu besoin de s'attarder toute la nuit et d'attendre la nuit suivante. Elle l'a reçu à ce moment-là et elle s'est mise en route. Elle en a parlé à tout le monde. Maintenant, souvenez-vous. Dans le premier âge, c'était l'âge du lion. C'était le lion de la tribu de Juda, Christ. C'est sa propre vie qui a influencé cet âge. C'est là le premier être vivant. Il représentait une puissance répondant par une voix d'homme. L'âge suivant fut l'âge du bœuf ou l'âge du cavalier au cheval roux. J'ai toujours entendu des gens dire que le premier cavalier sur son cheval blanc était la puissance de l'Église partant conquérir. Mais nous découvrons qu'une couronne lui fut donnée et que c'était pas ça. C'était l'Église. Il était l'Église. Mais où est-il allé? Il est allé à Rome. C'est là. C'est ce qu'il a fait. Il a reçu sa couronne. Maintenant, le deuxième âge est représenté par un cavalier au cheval roux. C'est l'âge des ténèbres. L'âge suivant est l'âge de l'homme représenté par un cavalier au cheval noir. Et c'est l'âge des réformateurs. La voix qui a parlé, ce cavalier sur le cheval noir est l'Antichrist, mais celui qui parle dans cet âge-là est représenté
par un homme. Et c'est la sagesse. Il est intelligent, perspicace. Mais ils ne l'ont pas reçu. Voyez? Ils ne lui ont pas donné de nom. Ils ont simplement dit qu'il est sorti. Et maintenant apparaît l'âge de l'aigle. C'est celui que Dieu compare toujours ses prophètes aux aigles. Il se nomme lui-même un aigle. L'aigle vole si haut qu'il n'y a rien d'autre qui puisse l'atteindre. Non seulement il est là-haut, mais il est construit pour cette position. Lorsqu'il monte là-haut, il peut voir où il se trouve. Il y a des gens qui montent là-haut, mais qui ne peuvent voir où ils se trouvent, en sorte que cela ne leur fait aucun bien. Si un corbeau ou un faucon se mettait à voler avec un aigle, il ne le supporterait pas, il se désintégrerait. Et c'est le problème aujourd'hui. Il doit être pressurisé. Et certains d'entre nous ne sont pas pressurisés. Nous explosons au moindre saut. Il faut que nous soyons pressurisés. Alors, nous élevons là-haut, avec la vue perçante de l'aigle, qui nous permet de voir ce qui vient et de savoir ce qu'il faut faire. C'est l'âge de l'aigle qui l'a révélé. Nous découvrons que cet âge de l'aigle avait été promis dans Apocalypse 17 et dans Malachie 4, 5, que ce serait dans les derniers jours, c'est juste. Ce serait là. Très bien. Remarquez. Ce gars-là, ce personnage, il chevauche un cheval pâle. Pâle. Oh là là. Remarquez, 68 millions de protestants, nous avons vu ça dans le livre Glorious Reform de Smucker, le martyrologue de Rome, jusque dans les années 1500 ou 1800, je ne me souviens plus exactement, mais 68 millions ont été mis à mort pour s'être opposés à la première église romaine. À Rome. Il n'est pas étonnant qu'il ait personnifié la mort et qu'il ait pris son nom. La mort. Certainement qu'il l'était. Dieu seul connaît le nombre de ceux qui sont morts spirituellement par son enseignement anti-biblique de la parole. Il y a eu les 68 millions qui sont morts par l'épée et ce sont probablement des milliards littéralement parlant, qui sont morts spirituellement à cause de ces faux enseignements. Il n'est pas étonnant qu'il ait pu prendre le nom de mort. Voyez-vous ce cavalier? Au début, c'est un antichrist. Il est la mort dès le commencement. Mais alors, il est innocent. Ensuite, il reçoit une triple couronne. Et à ce moment-là, Satan unit son Église à l'État parce qu'il avait déjà l'autorité sur les deux. L'antichrist est Satan. Sous la forme d'un homme. Et alors, Saint Matthieu, je crois, au chapitre 4, Satan prit Jésus, notre Seigneur, et lui montra les royaumes de la terre et leur gloire, disant qu'ils lui appartenaient. Et il les lui offrit. Ainsi, vous voyez, s'il peut unir son État et son Église, alors le cavalier roux peut avancer ce soir. Ainsi, nous voyons le mystère ici, dans son Église et dans l'État. La quatrième étape de son ministère, il est appelé la bête. Premièrement, il est appelé l'Antichrist. Voyez. Ensuite, il est appelé le faux prophète. Il est appelé la bête. Nous voyons ici qu'il est appelé la bête. Je veux que vous remarquiez, après le quatrième cheval, et dans ce quatrième cheval, si vous remarquez, le premier était blanc, le suivant était roux, le suivant était noir, et le quatrième, les autres trois étaient représentés parce que pâle, c'est le blanc, le roux et le noir mélangés ensemble. Tout est mélangé dans ce dernier cheval, voyez. Et cela, ce sont les trois en un, et tout est mélangé dans cette seule chose. Je veux que vous remarquiez ces quatre. Remarquez la place à part du nombre quatre dans les mathématiques spirituelles. Trois, c'est Dieu. Ici, c'est quatre. Il est dans les quatre. D'abord, l'Antichrist, blanc. Deuxièmement, le faux prophète, rouge.
Troisièmement, le vicaire du ciel, de la terre, le purgatoire, noir. Quatrièmement, la bête, le cheval pâle. Satan étant précipité hors du ciel. Vous voulez le lire? Apocalypse 12, 13. Où Satan est précipité hors du ciel. Alors Apocalypse 13, 1 à 8, il est incarné dans la personne de la bête. Il est premièrement l'Antichrist, un simple enseignement, appelé nicolaïsme. Ensuite, il devient, à partir de là, un faux prophète. Il est un Antichrist. Antichrist, ça veut dire contre tout ce qui est la parole de Dieu, contre Dieu, parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole fut faite chair, Christ, et a demeuré parmi nous. Et il est contre la parole, c'est pourquoi il est anti-Christ. Mais un esprit ne peut pas être couronné, c'est la raison pour laquelle il n'a pas reçu de couronne, seulement un arc sans flèche. Ensuite, lorsqu'est venu le temps de son couronnement, il devint le faux prophète de son enseignement anti-Christ. Vous saisissez? Puis il reçoit une épée, parce qu'il unit ses pouvoirs ensemble. Dès ce moment, il n'a plus rien à demander à personne. Il est chef d'État, il est gouverneur du ciel. Il reçoit une triple couronne, et il se met lui-même une idée appelée purgatoire, selon laquelle si quelqu'un meurt en laissant de l'argent, ses successeurs puissent donner cet argent à l'Église, laquelle payera pour son rachat, parce qu'elle a le pouvoir de le faire sortir de là. Certainement, un vicaire, il prend la place de Dieu sur la terre. Si ce n'est pas parfaitement clair, nous avons découvert cela d'un bout à l'autre de la Bible, nous avons calculé son nombre et tout le reste. Nous l'avons ici mis à sa place dans le nombre 4, pas 3, mais le chiffre 4, voyez. Maintenant, prenons Apocalypse 12, lisons un petit peu ici, nous avons le temps de le faire. Lisons Apocalypse 12, verset 13. Il y a un grand tremblement de terre, j'ai le mauvais endroit ici, au verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Vous voyez, il a été précipité sur la terre et il s'incarne en tant qu'esprit antéchrist dans un homme. Cet homme change d'une chose à une autre. D'un esprit antichrist, il devient un faux prophète, et ensuite la bête entre en lui. C'est exactement comme cela que l'Église a évolué. Son Église est passée de l'antichrist au faux prophète, et dans cet âge important qui va venir, la bête va être suscitée. De même, la vraie Église évolue par la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit, Christ étant dans le peuple, dans les gens, exactement. C'est le type de l'antitype. C'est le type plutôt. Voilà, exactement, c'est lui. Satan qui a été précipité du ciel, nous voyons dans Apocalypse 13, 1 à 8. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Regardez. Une bête avec 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds. Si nous avions le temps, nous pourrions placer le reste de la soirée rien que sur ces symboles et les rapporter à lui. Mais vous connaissez tous cela par nos autres leçons, comme ceux d'un ours et sa bouche, comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et un trône et un grand pouvoir. C'est Satan incarné. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Lisons un petit peu. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Observez cela. Ne vous occupez pas du communisme. Ce n'est rien de plus qu'un outil agissant dans les mains de Dieu pour vous aider un jour à recevoir la vengeance du sang, comme nous le verrons demain soir. Et ils adoraient le dragon. Qui est-il? Satan. Est-ce juste? Le dragon rouge. Très bien. Parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils adoraient la bête, disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir, 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu. Vas-y, voilà, vous voyez. Pour blasphémer son nom, on lui donne un titre. Et son tabernacle, qui est la demeure du Saint-Esprit, mais on en a fait un lieu à Rome, la cité du Vatican.
Et ceux qui habitent dans le ciel, blasphémant à leur sujet en disant qu'ils étaient des intercesseurs. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est ce qu'elle fit, et de les vaincre, c'est ce qu'elle fit, les brûlant sur le bûcher, les donnant en pâture aux lions, les mettant à mort de toutes les manières possibles. Et lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Cela n'a jamais été ainsi à Rome jusqu'à ce que la Rome païenne soit convertie en Rome papale et que la puissance catholique se soit étendue dans le monde entier pour devenir l'Église catholique universelle. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, ne touchent pas à mon huile et mon vin. Oui. Tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, dont le nom n'a pas été écrit, dans le livre de la vie de l'agneau immolé depuis avant la fondation du monde. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un amène la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Hier soir, nous l'avons vu venir avec sa grande épée pour tuer. Et nous découvrons que lui aussi sera mis à mort par l'épée. L'épée de la parole. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants, bien aiguisée. Elle l'abat et le jette à terre. Attendez seulement que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut réellement prendre la parole de Dieu et la manier. Elle va tailler, couper. Ils pourront fermer les cieux. Ils peuvent fermer ou faire ce qu'ils veulent. Il sera abattu par la parole qui sort de sa bouche plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire venir des milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Quoi qu'il dise, cela s'accomplira, parce que c'est la parole de Dieu sortant de la bouche de Dieu. Amen. C'est sa parole, mais Dieu utilise toujours l'homme pour la mettre en œuvre. Dieu aurait pu appeler les mouches en Égypte, mais il a dit, « Moïse, c'est ton travail. Je vais te dire ce que tu dois faire et tu le feras. » Il l'a accompli pleinement. Il aurait pu choisir le soleil pour les faire venir. Il aurait pu faire que la lune ou le vent les fasse venir. Mais il a choisi Moïse. Il choisit son homme. Très bien. Nous découvrons donc que ce Satan, après avoir été précipité du ciel, s'incarne dans la bête. Et que maintenant, il est une bête. D'abord Antichrist, puis faux prophète. Et maintenant la bête, à laquelle est donné le nom de la mort, et le séjour des morts marche à sa suite. C'est Satan, tout entier sur son trône. Voilà là. Sur la terre. La bête est le représentant de Satan. Elle est maintenant à la tête des royaumes de ce monde. Ces mêmes royaumes que Satan offrit au Seigneur Jésus dans Matthieu 4. Maintenant, la royauté de Satan devient entière. Mais cela arrive plus tard. Maintenant, il est faux prophète. Il deviendra la bête plus tard, quand il brisera son alliance avec les Juifs. Très bien. Remarquez maintenant, qu'en ce temps-là, il lui sera donné un cœur de bête, et Satan s'incarnera, parce que quand l'Église monte, Satan est précipité en bas. C'est terminé à ce moment-là. Toute son œuvre d'accusateur est terminée. Aussi longtemps que l'intercesseur est encore sur le trône, Satan peut se tenir là et accuser parce qu'il représente l'autre côté. Il est l'adversaire de Christ. Il se tient là, l'opposant, et il dit, « Attends, Adam est tombé. Adam a fait ceci. Je l'ai conquis. J'ai amené sa femme à croire un mensonge. » Et tu as dit qu'elle serait damnée à cause de cela. Je la tiens. Mais voici que le médiateur se tient là. Amen. Le parent rédempteur. Amen. Il se tient là, avec le sang qui peut prendre le cœur du plus vil pécheur et le changer. Un médiateur sur le trône. Oui, monsieur. Satan dit, mais ils sont coupables. Jésus répond, ils ne le sont pas. C'est le Clorox, l'eau de Javel qui enlève toutes les taches d'encre. Il les décompose au point qu'on ne les retrouve plus jamais. L'encre, elles redeviennent des gaz et retournent jusqu'à la lumière cosmique et aux molécules du passé, à tout le reste, revenant à l'originel d'où elles sont venues. Si c'est une création, c'est qu'elle doit venir d'un créateur. Mais tous les produits chimiques qui ont été fabriqués et mis ensemble sont décomposés et c'est tout ce qu'il en reste. Même la substance de l'eau se mélange avec cette eau de Javel, ce qui n'est que cendre. Amen. Gloire à Dieu. Tout est pur. C'est ce que fait le sang de Jésus-Christ
au véritable enfant de Dieu, lorsqu'il confesse ce péché et se tient là justifié dans sa miséricorde, sa bonté. C'est si glorieux que Dieu a dit, je ne peux même plus du tout m'en souvenir. Et il est absolument mon fils. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais croyez en ce que vous avez dit, cela arrivera. Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Vous êtes un fils racheté. Amen. Je sais que c'est vrai. J'ai vu apparaître des écureuils à 6 reprises, là où il n'y en avait aucun auparavant. Et de même qu'il peut créer des écureuils, il peut créer des mouches, des grenouilles, ou n'importe quoi d'autre. Il est Dieu le Créateur. C'est vrai. Et quand le péché de cet homme mortel est confessé et plongé dans ce décolorant de Jésus-Christ, cela fait disparaître tout péché. Et cet homme est pur, sans mélange, sans péché, sans faute. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car il ne peut pas pécher. Le décolorant se tient entre l'homme et Dieu. Comment pourrait-il aller jusque-là, alors que le décolorant le décompose et le renvoie tout droit à celui qui l'a perverti? Amen. Oh, je me sens religieux. Je vous le dis, je reçois une stimulation maintenant, alors que cela est révélé. Remarquez. C'est Satan, tout entier sur son trône. Oui, monsieur, qui lui a offert la terre à Dieu, qui l'a offerte à notre Seigneur. Le voici assis là, avec son abominable cœur bestial en lui. Voilà cette personne, la bête, le diable incarné. Il se présente ici sur la terre sous une fausse apparence. Oh là là, bonté. Sous une fausse apparence de la véritable parole, il s'associe lui-même avec la parole. Il a fait exactement la même chose que son type, ce qui était Judas, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Judas, il entra comme croyant, mais il était un démon dès le commencement. Il est né fils de la perdition. Il n'a pu tromper Jésus qui le connaissait dès le commencement, car il était la parole. Amen. Bien qu'il soit la parole. Très bien. Et souvenez-vous, Judas a pris la place de trésorier et il est tombé par l'argent. C'est ce qui arrive à l'Église aujourd'hui. L'Église catholique, nous l'avons vu hier soir, faisait payer pour les neuvaines, faisait payer pour les prières, faisait payer pour tout. Les filles de l'Église catholique et les protestants sont pratiquement tombées de la même manière. Le système tout entier est entortillé par l'argent. C'est là que Judas est tombé. Et c'est là que les protestants tombent. Regardez, il chevauche un cheval pâle. Il est là, dans cette dernière chevauchée, la dernière maintenant. Maintenant, ça ne se passe pas de nos jours, c'est pour plus tard. C'est le sceau qui est annoncé, car vous voyez, l'Église est enlevée quand cela arrive. Quand Christ apparaît sur la terre, comme ce personnage apparaît et devient complètement le diable depuis l'Antichrist, tout le long jusqu'à faux prophète, puis dans la bête, le diable lui-même. Et il chevauche un cheval pâle, un mélange de toutes les couleurs qui lui donne cet aspect livide, cadavérique. Mais lorsque notre Seigneur apparaît ici sur la terre, il chevauchera un cheval blanc comme la neige. Et il sera complètement, pleinement, Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Voyez la différence. C'est toute la différence. Remarquez, l'Antéchrist est sur un cheval pâle, les couleurs mélangées. Un cheval est une bête qui représente une puissance. Sa puissance est toute de mélange. Pourquoi? C'est la politique. Ce sont les puissances nationales, les puissances religieuses, les puissances démoniaques, toutes sortes de puissances mélangées ensemble. Voilà ce qui était ce cheval pâle aux couleurs mélangées. Mais quand Jésus vient, c'est sur un cheval d'une seule couleur unique, la parole. Amen. Celui-ci mélange ses couleurs, le rouge, le blanc, le noir, 3 couleurs représentées en une, trois puissances représentées en une.
cheval blanc, cheval noir, cheval roux, et trois couronnes en une. Certainement. J'ai vu moi-même cette couronne. J'étais tout près, je l'ai regardée. Je n'ai pas pu la toucher parce qu'elle était dans une vitrine, elle était là, posée dans un écrin, enfermée là par un gros cadenas. Ainsi, je sais que c'est la vérité. Il était là, une triple couronne. Vicaire du ciel, purgatoire et la terre. Trois puissances unies, mélangées en une seule couleur, pâle. Tout cela exprime la mort. Ce sont les puissances politiques, religieuses et démoniaques, mélangées ensemble. La politique, il est le roi de la politique, Satan. Il est rusé. N'essayez surtout pas d'être plus malin que lui. Confiez-vous simplement dans le Seigneur. Comme je l'ai montré auparavant, toute l'habileté, l'instruction, les choses comme cela, viennent du mauvais côté. Vous pouvez suivre cela tout au long des Écritures et découvrir que c'est vrai. Suivez la lignée de Caïn et voyez ce qu'elle est devenue. Mais suivez celle de Seth et voyez ce qu'ils étaient. Ce n'est pas que j'encourage l'ignorance, bien au contraire, non, monsieur. Mais si vous verrez que pratiquement personne dans la Bible, très rarement, il y en a eu un appelé Paul, c'était un homme très intelligent et instruit, mais il a dit qu'il dut oublier tout ce qu'il savait pour pouvoir connaître Christ. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je suis venu dans la puissance de la résurrection de Christ. C'est vrai, dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez les autres, certains d'autres ne savaient même pas distinguer leur main droite de leur gauche. Cherchez les prophètes au cours des âges et voyez d'où ils venaient. Voyez-vous ce que je veux dire? L'habileté, l'intelligence et la sagesse, ce sont les choses mêmes qui vous éloignent de Dieu. Il avait trois pouvoirs ou trois juridictions, la terre, le ciel et le purgatoire. Il est lui-même une trinité. C'est de cela qu'il est fait. Et il chevauche en une trinité. Sa puissance est dans une trinité. Sa couronne est une trinité. Son cheval est une trinité. Voilà ce qu'il est. Une trinité. Un pouvoir de trinité. Une couronne de trinité. Une chevauchée de trinité. Ce sont des offices. De nouveau, le nombre 4. Vous voyez? C'est de nouveau 4. Très bien. Trois étapes de son ministère font de lui une personne, Satan incarné. Trois étapes de son ministère. Antéchrist, faux prophète et la bête. C'est trois. En sont les types. Il y a trois types et ces trois pouvoirs font de lui le diable. Dieu, lui, se fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit. Il fait d'un chrétien un enfant de Dieu par la parole de Dieu. Oui. D'autre part, il y a et ces trois puissances sont de lui le diable. Il y a ici l'eau, le sang et l'esprit qui sont de Dieu. Et d'autre part, la politique, la religion et la puissance démoniaque qui, mélangées ensemble, font le diable. Christ, sa première venue, il est immortel, il vient trois fois. Christ est dans le nombre 3. Mais vous voyez, Satan, il vient avec 4. Regardez Christ. Première venue, il est venu comme un mortel pour verser son sang et mourir. N'est-ce pas vrai? C'est sa première venue. Sa deuxième venue, c'est l'enlèvement. Et nous le rencontrerons dans les cieux où il est immortel. Sa troisième venue, il est Dieu incarné. Dieu Emmanuel, qui vient régner sur la terre. Seulement 3. Vous voyez que la quatrième étape de ce cavalier est appelée la mort. Mort signifie éternelle séparation avec Dieu. C'est ce que la mort signifie. Être éternellement séparé de Dieu. Maintenant, nous plaçons ce personnage là. Nous avons montré avec la Bible qui était ce personnage. Nous l'avons étudié dans les moindres détails, les collines, les lieux, tout le reste. Et maintenant, nous voyons que l'aigle lui donne le nom de mort. C'est ainsi qu'il le nomme. Souvenez-vous ici, la mort est l'éternelle séparation. Rappelez-vous que les saints ne meurent pas, ils dorment. Ils ne meurent pas. Celui qui écoute ma parole, qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. C'est vrai. Il ne passera pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Lazare est mort, il dort. Ne crains rien. La petite fille n'est pas morte, elle dort. On se moque de lui, n'est-ce pas vrai? Oh là là. Vous voyez, les saints ne meurent pas. C'est la séparation d'avec Dieu qui est la mort éternelle. Et ce personnage est appelé la mort.
Ainsi, éloignez-vous de lui. Qui est-il? Un système d'organisation. Le premier. La première église qui s'est organisée. Et lorsqu'elle a adopté les idées de Constantin au concile de Nicée, nous avons étudié ces femmes hier soir et nous avons montré comment Ève, la première épouse, avant même que son mari ne soit venu vers elle, elle est tombée au jardin d'Éden en ne croyant pas la parole de Dieu. L'épouse spirituelle née de Christ le jour de la Pentecôte, que lui arriva-t-il avant qu'il ait pu venir vers elle? Elle est tombée à Rome. Comment cela? En abandonnant la vertu de la parole pour des dogmes. Amen. Oh là là. Oh, je sens la stimulation qui entre maintenant en pensant cela. C'est pas que je veuille agir comme un fou, je ne voudrais pas, mais vous vous rendez pas compte ce que ça me fait. Ça fait maintenant 4 jours que j'étudie ces choses. J'avais simplement besoin de dire quelque chose qui me fasse revenir sur terre. Voilà. Très bien. Quand je commence à parler comme ça, les visions me viennent de partout. C'est juste, c'est la raison pour laquelle je dois me secouer pour revenir à moi. Et avez-vous déjà remarqué, quand j'exerce le discernement, je dis quelque chose qui fait rire les gens, ensuite je dis quelque chose qui les fait pleurer, puis quelque chose qui les met en colère, je repère quelque chose et dis quelques mots pour voir comment ils le prennent, ensuite je vois quel genre de lumière est sur eux et ce qui est en train de se produire, alors je sais où cela en est et je sais s'il y a un appel ou non, s'il s'agit d'un vrai croyant ou pas. Vous les appelez disant, vous, tel et tel. Et quand l'esprit descend, il commence à oindre et alors vous commencez à voir cette lumière venir partout dans la salle. C'est la raison pour laquelle je dis quelque chose, revenant en quelque sorte en arrière pour recommencer de nouveau. Et depuis dimanche dernier, je m'assieds simplement dans une chambre et je prie sous l'onction, voilà tout. Et je sais que ce que je reçois est juste. Vous croyez Dieu? Je sais que vous croyez. Faites attention à ce qui va se passer à la fin de cette semaine. Maintenant, mort signifie éternelle séparation d'avec Dieu. Mais rappelez-vous maintenant que les saints ne meurent pas. Souvenez-vous, son épouse a reçu un cheval pâle. Je veux dire, le cavalier a reçu ce cheval pâle pour s'avancer. Ce cheval pâle pour s'avancer, et il chevaucha ce cheval pâle de la mort. Maintenant, nous savons ce que c'était. Nous savons quelle église c'était. Et souvenez-vous, hier soir, que cette église n'était pas seulement une prostituée, elle était la mère de prostituées. Et nous avons découvert que ce qui fait d'elle une prostituée, c'est que c'est une femme de ce type. C'est une parole plate à dire, mais la Bible dit cela. Ainsi, nous réalisons que c'est une femme qui vit de manière infidèle à ses vœux de mariage. Elle est censée, elle s'appelle elle-même la reine du ciel. Et ce sera la position de l'épouse de Dieu. Dieu, c'est Christ. Et nous voyons qu'elle commet la fornication. Et qu'elle fait commettre la fornication au roi de la terre et à tous les riches et les grands de ce monde. La terre tout entière est allée après elle. Et nous découvrons qu'elle a produit des filles. Et c'était des prostituées. Qu'est-ce qu'une prostituée? Vous voyez, une fornicatrice, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait la fornication. Le mal, l'adultère. Que firent les églises? Elles s'organisèrent, créèrent des systèmes, enseignèrent des systèmes fabriqués par l'homme, les pentecôtistes et tous les autres. Maintenant, n'essayez pas à faire taire votre conscience. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardons-nous en face. Nous arrivons bientôt au bout du chemin et l'heure est trop avancée pour nous ménager. Nous vivons actuellement dans l'âge de l'Odyssée et cet âge de l'Église qui est le plus ridicule de tous, un âge de tiédeur, le seul où Christ est à l'extérieur essayant de rentrer. C'est l'âge du message pentecôtiste. Vous dites, je suis riche. Oh, mon ami, vous étiez pauvre au commencement, mais puis vous êtes devenu vraiment riche, et vous voyez, vous n'avez plus besoin de rien. Mais vous êtes nu, pauvre, aveugle, misérable, et tu ne le sais même pas. Si un homme est nu sur la terre et devient conscient de sa nudité, il cherchera à faire quelque chose. Mais s'il ne s'en aperçoit pas, il ne voit pas la différence. Alors, il est dans un vraiment triste état. Que Dieu en ait pitié, c'est vrai. Remarquez, oh là là. Maintenant, souvenez-vous, cet antéchrist lui-même est un homme à son épouse qui est son église. Il lui fut donné du temps pour se repentir, mais elle ne l'a pas fait dans cet âge de l'église. Thyatire, vous vous souvenez? Revenons une minute en arrière, ça ne fera pas de mal. Deuxième chapitre, nous allons le lire. Le deuxième chapitre,
Thyatire. Regardez rapidement ici. C'est presque le temps de terminer, j'ai pas encore commencé. Remarquez. Thyatire. Commençons au verset 18 du deuxième chapitre. Et à l'ange, le messager de l'église de Thyatire, écrit ces choses. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds comme de l'airain brillant. Je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta patience et tes œuvres et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi quelque chose, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Vous y voilà. Vous la connaissez dans la Bible. Elle était la femme d'Akab. Et ici, la femme d'église Jézabel, la femme du faux prophète, qui est censée être le prophète authentique de Dieu. C'est juste. Prophète authentique. Et sa femme, Jézabel. Maintenant, Akab était censé être un juif authentique. Mais c'était de la racaille. Vous savez cela? Parce que sa femme simplement le conduisait comme il voulait. Vous savez qu'elle prend son argent, elle fait comme elle veut. Et elle s'appelle elle-même prophétesse, vous avez saisi? Pour enseigner, séduire mes serviteurs. Oui, Jézabel qui enseigne et commet la fornication et sacrifie aux idoles. Je lui ai donné de l'espace pour se repentir de ses fornications et elle ne s'est pas repentie. Regardez ensuite. Je vais la jeter dans un lit, c'est l'enfer. Et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, ils vont entrer dans une grande tribulation par l'Église maintenant, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Regardez ici. Et je ferai mourir ses enfants, les filles de la prostituée, de la mort spirituelle. Croyez-vous cela? C'est la parole. Je les ferai mourir de mort. Et s'ils sont mis à mort, ils sont séparés éternellement. Très bien, souvenez-vous qu'il lui a donné du temps pour se repentir. L'âge de Thyatire était l'âge des ténèbres. C'est en ce temps-là que chevauche le cavalier au cheval noir, alors qu'il fallait payer pour les messes et pour les prières et les neuvaines et tout le reste. Maintenant, il y a le cheval noir alors, après avoir refusé de se repentir à Thyatire. Regardez, le cavalier change de cheval noir et il enfourche le cheval pâle, la mort, pour son dernier ministère. Maintenant, c'est chacun ici individuellement que je voudrais secouer un petit peu. Refusez Dieu. Refusez l'appel de Dieu. Vous le ferez un jour pour la dernière fois. Et comme ce fut le cas pour cette église, c'est trop tard. Malgré sa patience, Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme, vous voyez. Quand cette église refusa d'accepter cela, alors elle fut changée et reçoit maintenant un nom, la mort, qui est la séparation. Dieu a dit, je prendrai ses enfants, les protestants, et je mettrai à mort chacun d'eux par cette éternelle séparation. Vous y voilà. L'âge de Thyatire est l'âge des ténèbres. Le cheval noir prend la couleur de la mort pour son dernier ministère. Voyez comment les âges de l'Église fusionnent parfaitement avec les sceaux. C'est ainsi parfait. Nous savons que c'est juste. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il nous a donné une glorieuse confirmation la dernière fois que nous avons étudié les âges de l'Église. Considérez l'amour et la longanimité de Dieu avant de la faire passer en jugement. Il lui a donné du temps pour se repentir. Et c'est au nom du Seigneur que je dis ceci. Il a donné à l'Église protestante la même chose, mais elle ne veut pas le faire. Ces messages l'ont secoué partout. Et elle ne veut pas le faire. Elle aura ses propres dogmes et credos. Peu importe combien vous pouvez expliquer. Comme je l'ai dit l'autre jour,
à Chicago, il y avait là plus de pasteurs que de gens assis ici dans cette salle. Ils ont voulu me prendre en défaut au sujet de la doctrine de la semence du serpent et de tout le reste. Et j'ai dit que quelqu'un de vous prenne sa Bible et vienne ici vers moi. Personne n'a rien dit. Tommy Hicks m'a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose comme cela auparavant, frère Branham. Je voudrais avoir 300 de ces bandes pour les envoyer à tous mes pasteurs. Il y a environ 50 ou 75 de ces gens qui dirent, je viendrai me faire rebaptiser. Sont-ils venus? Pas un seul. Pourquoi? Il leur a donné du temps pour se repentir. Il jettera vos enfants dans la mort. La mort spirituelle. Nous allons étudier cela demain soir, Dieu voulant, ou samedi soir, lorsque nous étudierons les plaies qui passeront sur eux. Observez ce qui arrivera là. C'est comme l'Égypte à laquelle il a donné du temps pour se repentir. Quelle fut la dernière plaie? La mort. C'est la dernière plaie qui frappe l'Église pentecôtiste. C'est la mort spirituelle, elle est morte. Je le dis au nom du Seigneur. Elle est morte spirituellement. Il lui avait donné du temps pour se repentir, mais elle l'a rejeté. Maintenant, elle est morte. Jamais elle ne se relèvera. Et ces gens qui essaient d'introduire des épiscopaux, des prêtres, etc., les appelant Saint-Père un tel, eh bien, ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. À quel point l'homme peut-il devenir aveugle? Jésus n'a-t-il pas dit que lorsque les vierges folles allèrent acheter de l'huile, elles n'en obtinrent point? Vous entendez des gens dire, « J'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue », mais ils ne veulent pas s'approcher d'une église comme ceci. « Oh, vous savez, je ne crois pas que j'aimerais aller dans ce genre d'endroit. » Et vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais vous préférez vos allures dignifiées. Vous voulez rester dans Babylone et jouir en même temps des bénédictions du ciel. Vous devez faire votre choix. Vous ne pouvez rester dans le monde et servir Dieu en même temps. Jésus a dit que vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi si vous êtes réellement sauvé, vous apprécierez les réunions où le Saint-Esprit se confirme et se montre que la parole de Dieu est juste. Quelqu'un disait, ces gens font trop de bruit, cela me rend nerveux. Cela vous rendra nerveux si vous allez au ciel. Pensez un peu à tous ces gens qui y seront. Alors que ferez-vous? Oh là là! Combien le Seigneur est longanime, combien, comme il le fit au jour de Noé, Dieu a fait tous ses efforts. Il les supporta pendant 120 ans pour les amener à la repentance, mais ils ne le voulurent point. Du temps de l'Égypte, il envoya des plaies et tout le reste, mais ils ne le voulurent pas. Il envoya Jean, mais ils ne voulurent pas revenir. Il envoya Jésus afin qu'il mourût pour sauver le groupe entier qui écouterait la parole. Et maintenant, dans les derniers jours, il a promis de nouveau qu'il enverrait un message pour rappeler et restituer la foi originelle, les ramenant à la parole. Et ils ne le recevront pas. Ils sont si dogmatiques dans leur dogme et leur credo, en pensant, si un ange descendait, mais Dieu ne fait pas cela. Il prend quelqu'un d'ignorant et de stupide, quelqu'un qui connaît à peine son alphabet ou quoi que ce soit. C'est ce genre de personne qu'il prend. Parce qu'il peut prendre quelqu'un qui n'est rien et l'employer. Tant que quelqu'un croit qu'il est quelque chose, alors Dieu ne peut rien faire avec lui. Dieu a toujours fait ainsi. Il faut que vous deveniez rien pour devenir quelqu'un avec Dieu. Oh là là. Remarquez, il lui a donné du temps pour se repentir, mais elle ne l'a pas fait. Il lui en a de nouveau donné, mais elle ne le veut pas. Son rejet a ouvert à Satan une voie parfaite pour entrer en elle et être incarné, c'est vrai. Il s'incarne lui-même en elle parce qu'elle a rejeté la parole. Et c'est exactement comme cela que l'Église protestante est devenue une prostituée. Elle est devenue parce qu'elle rejette la vérité confirmée de la parole de Dieu, ce qui donne au diable la possibilité d'entrer et de s'incarner. Et il fera alors une image à la bête, ce qui leur permettra de s'unir tous ensemble. Et ils sont sur le point de le faire et faire exactement ce qu'il dit. C'est vrai, amen. Si j'avais de l'instruction, je pourrais bien exprimer cela, mais je n'en ai pas. Je m'attends simplement au Saint-Esprit pour qu'il vous le révèle. Il le fera pour ceux. C'est vrai, il le fera. Remarquez. Regardez ce qu'elle a fait ici. Elle a rejeté le message de Dieu qui l'a poussé à la repentance. Elle a commencé comme antichrist, c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue un faux prophète, le diable incarné. Il commença avec son faux enseignement. Et pendant tout cela, Dieu lui a donné du temps pour se repentir, essayant de l'attirer. Voyez sa longanimité.
Quel amour merveilleux! Il n'y a pas d'amour semblable. Voyez comment il pardonne même à ceux qui lui ont craché au visage, qui l'insultaient. Voyez, ça c'est Dieu. Ne rejetez pas le message de Dieu. Vous voyez, il lui fut demandé de se repentir, de revenir au point où elle était tombée. Et d'où était-elle tombée? De la parole. D'où Ève est-elle tombée? D'où les dénominations sont-elles tombées? Vous y voilà. Il n'y a pas d'autre chemin. Revenez chaque fois tout droit à la parole. Tout droit à la parole. Mais ils entrent dans un système qui les entraîne loin de la parole, qui les éloigne de la parole au lieu de les ramener à la parole. Remarquez. Elle a reçu un temps pour se repentir, pour revenir en arrière. Se repentir signifie revenir en arrière, se retourner, faire demi-tour. Se repentir, revenir en arrière. Du temps lui fut donné pour retourner. D'où elle était partie maintenant, souvenez-vous. Elle était l'église originale de la Pentecôte sur laquelle le Saint-Esprit avait été déversé le jour de la Pentecôte. Combien d'étudiants de la Bible savent cela? Voyez-vous, d'où elle est partie, elle est tombée de la parole, elle a accepté des dogmes. Au lieu du Saint-Esprit, elle voulut un homme saint, un docteur en théologie, chargé de diplômes et de titres. C'est sûr, voilà ce qu'elle voulait. Quelqu'un qui prie à sa place, quelqu'un à qui elle puisse simplement donner de l'argent et qui lui permettrait de n'avoir plus rien à faire. C'est la même chose aujourd'hui. Pourvu qu'ils aient un siège à l'église, qu'ils puissent donner beaucoup à la collecte, c'est assez bon. Ils sont membres de cette église. Ne leur dites rien d'autre. Ils ne désirent pas. Vous voyez, ce sont ses filles. D'où est-elle tombée? De la parole originelle des apôtres et des prophètes. Voilà d'où elle est tombée. Voilà d'où sont tombés les protestants. Repentez-vous. Revenez en arrière. Revenez en arrière. Avant qu'il ne soit trop tard. S'il n'est pas déjà trop tard. Un de ces jours, cet agneau quittera sa place et alors tout sera terminé. C'est pour cela qu'avant d'être jugé avec elle, il leur est demandé maintenant de retourner. Maintenant, le dernier message qu'ils reçoivent est celui qui vient par ce prophète dont j'ai parlé et dont j'ai lu beaucoup de livres à son sujet. Et je sais que les hommes à la pensée spirituelle sensée savent que cela vient. Mais le problème, c'est qu'ils continuent de dire, nous en avons besoin, il va venir. Et quand il arrivera, ce sera si humble qu'ils le manqueront probablement comme ils l'ont tout simplement manqué les autres fois. Les gens écrivent à son sujet, ils disent, oh oui, nous en avons besoin. Ensuite, s'il est représenté devant eux, il continue simplement comme avant, voyez-vous. C'est toujours ce qu'ils ont fait. Regardez, la parole originelle dit qu'elle doit se repentir et revenir. De même, ses filles, à qui il est demandé, elles seront jugées et jetées dans le même lit et mises à mort avec elles. Il leur était demandé de revenir à la parole originelle, de revenir à la doctrine apostolique, mais elles sont tellement liées à leur credo et autres qu'elles ne le feront pas. Elles ne feront qu'en rire. Alors, que font-elles? Elles finissent par se former en l'image à la bête, une autre puissance, et à agir envers l'épouse de l'agneau, comme elles l'ont fait dans Apocalypse 13, 14. C'est ce qu'elles font. Elles persécutent. C'est la même chose. Les églises se moquent autant que Rome de la vraie épouse de Christ. Elles agissent envers la véritable épouse de l'agneau, exactement comme la bête le fait dans Apocalypse 13, 14. Remarquez, nous voyons par la parole de Dieu, de la promesse, il la tuera, les enfants de la dénomination, ses filles, de mort spirituelle. C'est dans Apocalypse 2, 22, n'oubliez pas. Tuer, c'est mettre à mort, et la mort est la séparation éternelle avec la présence de Dieu. Pensez à cela, les amis, pensez à cela. Ne mettez pas votre confiance dans des credos fabriqués par l'homme. Restez loin de tout ce qui est contraire à la parole. Maintenant, observez ce que dit la Bible ici. Elle dit que son nom est l'enfer et la mort. Maintenant, le séjour des morts suit toujours la mort dans les choses naturelles. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts le suit, c'est la tombe, le Hadès, vous voyez, c'est dans le domaine naturel, mais dans le spirituel, c'est les temps de feu, voyez, c'est l'éternelle séparation où ils sont complètement brûlés. Malachi 4 a dit de manière ne leur laisser ni racines ni branches. Voyez comment le monde doit être purifié de nouveau pour le millénium. Avez-vous remarqué qu'il est dit du cavalier, celui-là, lui, un homme qui a dans la main, un homme, un faux prophète, mais son épouse est appelée l'Église, elle, Jézabel. Acab, Jézabel. C'est absolument parfait.
les filles, c'est aussi elles. Mais elles n'ont jamais reçu l'autorité d'un homme. C'est ce que font les protestants. Mais elles sont toujours des prostituées du fait de leur doctrine, de leur dénomination, de leur système. C'est ce qu'il est dit. Remarquez, où tout cela arrive-t-il? Maintenant, nous n'avons plus que 12-14 minutes. Regardez où cela arrive. Qu'est-ce que c'est? Cela repasse exactement par le même chemin. Cela a commencé au ciel et cela arrive à la bataille du temps de la fin. La première chose dans le ciel, ce fut une bataille. Lucifer fut chassé et vint sur la terre. Alors il a pollué le jardin d'Éden et il n'a pas cessé de polluer depuis lors. Et maintenant, de la bataille dans le ciel, nous arrivons à la bataille sur la terre. Elle sera terminée sur la terre au temps de la fin dans une bataille appelée Armageddon. Tout le monde sait cela. La bataille commença au ciel. Michaël et ses anges le vainquirent et le jetèrent dehors. Et quand cela arriva, il tomba tout droit en Éden et c'est là qu'a commencé la bataille. Dieu avait entièrement fortifié ses enfants par sa parole, mais Ève a raidi son cou et l'a dit, « Je crois que tu as raison. » Et ça a continué depuis lors. Alors Dieu est descendu pour racheter ceux qui viendraient. Comme je l'ai déjà dit, Dieu est comme un grand entrepreneur. Il dépose tout son matériel sur la terre et ensuite il commence à construire son bâtiment. Maintenant, souvenez-vous, avant qu'il y ait une semence sur la terre, avant qu'il y ait un soleil qui rayonne sur la terre, votre corps était là sur la terre parce que vous êtes la poussière de la terre. Voilà ce que vous êtes. Dieu est l'entrepreneur. Sa manière de faire aurait été de tendre la main comme il le fit avec Adam, prendre un peu de calcium, de potasse, de lumière cosmique et voilà, encore un de mes fils, vous voyez. Il en aurait pris encore un. Et un autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle a corrompu cette voix et fit cela par l'acte sexuel. Alors, la mort a frappé. Maintenant, que fait Dieu? Il a là-bas autant de semences qui sont prédestinées. Il y a un certain nombre qui sont prédestinés. Et au temps de la fin, il ne dira pas, « Ève, porte encore un autre enfant. » Il appellera et je répondrai. Voilà l'idée. Et quand le dernier sera amené, le cas est réglé. Maintenant, la bataille a commencé dans le ciel. Elle se terminera sur la terre dans la bataille d'Armageddon. Maintenant, observons et voyons cela se dérouler. Peut-être que nous pourrons le voir si le Seigneur nous aide. Regardons cela se dérouler. Le mystérieux cavalier. Observez ce qu'il fait maintenant. Il s'est rebellé, il a refusé de se repentir et de revenir à la parole du sang originel. La parole est devenue sang et chair. Mais il a refusé de revenir à elle. Il est l'Antichrist. La véritable épouse parole, il est opposé à la véritable épouse parole. Il prend sa propre épouse, l'oppose à la véritable épouse, il prend sa propre épouse et la fait venir à lui sous une forme de religion appelée des credos et des dogmes. Vous voyez? Et maintenant, voyant la sainte épouse, il est contre elle, mais il forme sa propre épouse, appelée Antichrist, à cause de l'enseignement Antichrist qui est contraire à Christ. Vous voyez combien il est rusé. Au lieu d'avoir une unité d'amour contrôlant l'adoration sous le sang, il a une dénomination. Au lieu d'avoir la parole, il a pris des credos, des dogmes, etc. C'est comme quand les protestants récitent le credo des apôtres. Trouvez-moi une parole à ce sujet dans la Bible. Il n'y a aucun credo des apôtres dans la Bible. Comme je le disais ici même il n'y a pas longtemps, si les apôtres n'ont jamais eu un credo, c'était Actes 2:38. À ma connaissance, c'est tout ce qu'ils avaient. C'est comme cela qu'ils appelaient chacun. Quand ils en trouvèrent qui leur paraissait être chrétien, ils leur demandaient, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et ils dirent alors, « Comment avez-vous été baptisé ?» Or, être baptisé au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Non, monsieur. Vous pouvez être baptisé 50 fois comme cela, mais cela ne vous fera pas de bien jusqu'à ce que le cœur soit changé par le Saint-Esprit. Tout doit être ensemble. Remarquez,
C'est Christ, l'Antichrist, qui refuse la doctrine de la vraie épouse et que par conséquent il prend sa propre épouse et l'édifie selon ou sous son propre credo. Il prend sa propre épouse et fait d'elle une dénomination. Elle donne naissance à d'autres dénominations, selon ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Elle donne naissance à des filles. Elle devient comme sa mère, naturelle, mondaine, dénominationnelle, s'opposant à l'épouse spirituelle, la parole. Elles ne disent pas qu'ils n'appartiennent pas à l'Église. Si vous parlez à une personne dénominationnelle, elle vous dira, bien sûr que j'appartiens à l'Église. Est-ce que vous êtes chrétien? J'appartiens à l'Église. Ça n'a aucun rapport. Vous pouvez appartenir à quelque chose qui est appelé Église, ce qu'on appelle appartenir à une Église. Mais ce n'est pas une Église, ce ne sont pas des églises, ce sont des loges où les gens se rassemblent et reçoivent une même nourriture, comme les oiseaux d'un même plumage. Mais il n'y a qu'une seule Église, et c'est le corps mystique de Christ. À cela, vous ne vous joignez pas, vous naissez là. Comme je l'ai dit, je suis dans la famille Branham depuis 53 ans, mais je ne m'y suis jamais joint, je suis né en elle. Maintenant, remarquez, un type parfait, ici, dans les Écritures, mais nous n'avons pas le temps de le lire, Ésaü et Jacob. Ésaü était un homme religieux. Il ne prétendait pas être un incroyant. Il croyait dans le même Dieu que Jacob, dans le même Dieu que son père. Mais il était un escroc, excusez-moi, il n'était pas bon. Il ne valait rien. En réalité, sur le plan moral, ses actions étaient plus morales que celles que Jacob, que celles de Jacob, mais vous voyez, il ne pensait pas quelle importance a ce droit d'aînesse. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Oui. Mais Jacob, il n'avait pas d'aussi grandes choses qu'Ésaü. Il n'avait pas reçu le même héritage. Mais il y avait une chose que Jacob voulait, c'était ce droit d'aînesse. Peu importe comment il l'obtiendrait, il l'aurait. Et c'est pour cela que Dieu l'a respecté. Et c'est la même chose aujourd'hui avec le naturel, la pensée charnelle, mondaine. Eh bien, j'appartiens à telle et telle église, à celle-ci, à celle-là. Ça n'a rien à voir avec cela. Aucune chose. Regardez. Il les rassemble maintenant sur son cheval de couleur mélangée. Il les rassemble sur son cheval de couleur mélangée parce qu'il a le pouvoir politique. Si vous ne croyez pas, comment expliquez-vous l'entrée maintenant du président actuel? Comment a-t-il pu se faufiler là? Vous voyez bien, ici, il parle de religion, liberté de religion, et vous, démocrates, qui vendriez votre droit d'aînesse pour la politique. D'ailleurs, les démocrates, comme les autres, sont tous pourris. Je parle du point de vue chrétien. Vous vendez votre droit d'aînesse sur un bulletin démocrate pour élire un homme comme ça? Honte à vous. Ne vous rendez-vous pas compte que cette nation est exactement comme le modèle d'Israël? Qu'est-ce qu'a fait Israël? Ils sont entrés dans un pays étranger, chassant et mettant à mort ses occupants, entrant et prenant possession. C'est ce que nous avons fait. Les Indiens, ce sont les seuls véritables Américains. Ce sont les Indiens, mes amis. Israël a eu quelques grands hommes. David, Salomon, des grands hommes. Et finalement, ils ont eu un roi, Akab, qui a épousé une Jézabel, une incrédule. Eh bien, c'est la même chose que nous avons faite. Nous avons eu un Washington et un Lincoln, mais regardez ce que nous avons maintenant. Et la même chose, c'est qu'il a épousé une Jézabel, qu'il en ait imprégné de manière ineffaçable. Il peut être lui-même quelqu'un de très bien, mais c'est elle qui fera la loi. Vous le voyez maintenant même, toute la famille est en train d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit il y a environ 35 ans au sujet de cette chose qui devait arriver avant la fin? Tout vient exactement comme les guerres et tout le reste. Et maintenant, le gouvernement de la nation est entre les mains d'une femme. Voyez-vous? Mais souvenez-vous, au temps de Jézabel, il y eut quelqu'un pour dévoiler leur jeu. Il les rassemble sur son cheval de couleur mélangé. Vous voyez, il rassemble toutes ces choses. Mélangé avec les dénominations, les doctrines humaines. N'est-ce pas vrai? Certainement. C'est une couleur mélangée. La couleur mélangée de ce cheval du monde livide et mort. C'est juste. C'est la couleur mélangée
de cette forme morte du cheval pâle du monde. Voilà là, ce n'est pas du tout le saint sang de la parole. Regardez, comme il les rassemble les quatre coins de la terre. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. Pense les Écritures, je les ai écrites ici, là où c'est écrit, voyez-vous, voir ce qu'elles sont. Il les rassemble pour le grand jour de la bataille de notre Seigneur Dieu. Regardez. Il est maintenant sur ce cheval du monde de couleurs mélangées, livides, malades, pensez-y. Vous savez, c'est une chose mauvaise. Observez maintenant d'où il les rassemble des quatre coins de la terre. Il se rassemble maintenant pour le grand dénouement. Ce grand dénouement aura lieu à Armageddon, selon ce que dit la parole. Au sujet du cheval pâle, celui qui le monte, portant attaché à lui le nom de mort, l'Antichrist. Écoutez, Antichrist, c'est la première dénomination. Ça ne peut pas être un esprit. Avec sa Jézabel, une prostituée, quant à la parole, et avec ses filles, les protestants, qui se rassemblent maintenant dans l'unité. Avez-vous entendu les baptistes parler ici l'autre jour? Oh, nous ne voulons pas nous joindre à eux, mais nous resterons à bon terme, et nous entendrons bien avec eux d'une manière ou l'autre. Voici, voilà, c'est exactement comme le dit la parole. Toujours cette vieille prostituée depuis le début. Maintenant, ils s'assemblent ici pour aller à ce dénouement d'Armageddon, chevauchant ce cheval de couleurs mélangées. Un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir. Les trois différentes puissances politiques, la puissance spirituelle, contrôlée par la puissance du démon qui est l'Antichrist. En mélangeant tout cela ensemble, vous obtenez cette chose de couleur livide et maladive qu'il chevauche. C'est vrai, maintenant remarquez. Regardez ce qu'il chevauche. Ce cheval d'apparence livide, couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux et de blanc, entre dans la bataille, rassemblant ses sujets de chaque nation sous le ciel. Daniel n'a-t-il pas interprété le songe et vu la présence du fer mélangé à chaque royaume? Rome, les voici qui se rassemblent. Maintenant, écoutez attentivement pendant encore quelques instants. Ils se rassemblent à présent, amenant ses sujets des quatre coins de la terre, chevauchant un cheval pâle d'apparence maladive, un cheval de trois couleurs mélangées. Dans Apocalypse 19, il n'est pas le seul à se préparer, mais Christ, lui aussi, se prépare à le rencontrer. La bataille sera chaude et rude. Christ, dans Apocalypse 19, il rassemble les siens, non pas des quatre coins de la terre, car il n'y en aura qu'un petit reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble des quatre coins des cieux sur un cheval blanc comme neige. Nous verrons demain soir ces âmes sous l'autel. Et vous verrez si c'est juste ou non. Un cheval blanc comme neige des quatre coins des cieux. Et lui aussi, il a un nom, pas la mort, mais la parole de Dieu, la vie. Amen. Ce nom est écrit sur sa cuisse. La parole de Dieu, c'est la seule vie, car Dieu est la seule source de vie éternelle qui soit. Zoé, est-ce vrai? Le mot « vie » est écrit sur lui, cheval blanc. Et voici un homme avec trois différents pouvoirs mélangés, il est appelé la mort. Il rassemble ses délégués liés à la terre ici, alors que Christ rassemble ses sujets, les saints nés du ciel. Sur l'un est écrit la mort, sur Christ est écrit la vie. Ceux qui sont avec lui montent des chevaux blancs aussi, et ils sont appelés les choisis avant la fondation du monde. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. J'aime cela. Ils sont appelés, choisis avant la fondation du monde, et sont fidèles à la parole parce qu'ils ont été choisis et stimulés par le vin nouveau et l'huile. Ils descendent sur leurs chevaux à sa rencontre. Ils savent que les tonnerres feront paraître ces choses très prochainement. Observez comment il fait cela. S'il est la parole et que son nom est la parole, alors la parole est la vie. L'Antichrist, tout ce qui est anti est contre. Ainsi, anti est contre le Christ, la parole. Il ne peut donc s'agir que d'un credo, d'une dénomination qui est contre la parole. Je ne vois pas comment vous pourriez le manquer.
Comprenez-vous, comment pourriez-vous le manquer? Je ne le vois vraiment pas. C'est la vérité. Anti signifie contre, n'est-ce pas vrai? Éloignez-vous de cela. C'est ce qu'il faisait. Il montait un cheval de confusion. Nous voyons cela ici dans la parole de Dieu. Nous le voyons dans les sept âges de l'Église. Il nous apporte encore cela ici dans l'ouverture des sceaux et nous montre ces choses qui se sont passées pendant les âges de l'Église. Anti veut dire contre la parole. Voyez-vous, pourquoi sommes-nous tellement contre les credos et dénominations? Parce qu'ils sont contre la parole. Nous voyons ici la vie et la mort venir à leur dernier combat. Le cheval blanc de la vraie vie, le cheval pâle des credos mélangés. Vous voyez la chose arriver à son véritable dénouement. Je voudrais dire quelque chose ici, vous ne pourrez peut-être pas le croire, mais je l'ai vérifié pour être sûr. Il n'y a qu'une seule couleur originelle, et c'est le blanc. Combien savent cela? Il n'y a qu'une seule couleur originelle. Tout le reste est mélangé. Christ est sur une parole sans mélange d'un blanc pur, non frelaté, dès le commencement. Toute couleur serait blanche si quelques produits chimiques ne s'y étaient introduits. Amen. Gloire à Dieu. Chaque église se tiendrait dans la doctrine apostolique de la parole de Dieu, que Dieu lui-même confirmerait, si nous n'y avions pas mélangé les credos et dénominations. Vous y voilà. Oh, frère Evans, comme je me sens bien maintenant. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il n'y a qu'une seule couleur originelle, c'est le blanc. Elle ne s'est jamais mélangée aux dénominations ou aux credos. Non, monsieur. Et souvenez-vous, ces saints sont vêtus de robes blanches sans mélange avec les dénominations et les credos. Or, nous découvrons que ce sont ces dénominations et credos qui viennent, c'est de là que viennent ces couleurs mélangées. Mais lui chevauche un cheval de couleur originelle. La couleur originelle est sur son peuple. Et ils ont été plongés dans le sang qui a purifié leurs vêtements et les a ramenés. Ceux qui ont fait les mélanges ont pris la couleur pâle et vont à la mort. C'est une perversion de mélanger des couleurs au blanc. Vous pervertissez la couleur originelle, n'est-ce pas vrai? Si la couleur originelle, la seule couleur est le blanc, et que vous aimiez quelque chose d'autre, vous pervertissez sa véritable raison d'être. Amen, n'est-ce pas vrai? Et s'il est le cheval blanc, et qu'il est la parole, alors, si vous mêlez quoi que ce soit avec cela, n'importe quelle sorte de credo, si vous ajoutez une parole ou que vous enleviez une seule parole, vous pervertissez tout. Oh là là! Garde-moi dans la parole, Seigneur. La vérité et l'erreur, oh là là. Si bien que cela paraisse, la vérité et l'erreur ne peuvent pas se mélanger. Elles ne peuvent pas se mélanger. Ou bien c'est ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est faux. Peu importe que ce soit un saint père, un saint Boniface, un archevêque de Canterbury, je ne veux pas savoir qui l'a dit. Si c'est contraire à la parole, c'est une perversion. Ça ne se mélangera pas. Vous direz, eh bien, celui-ci a fait ceci. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe combien il est saint, etc. La parole est la seule vérité directe que nous ayons. Aucune église, aucun credo n'a le moindre vérité si ce n'est en dehors de ceci. Et montrez-moi un seul qu'il est. J'aimerais que vous me le montriez. Maintenant, je vais chercher une page dans la Bible pour vous montrer quelque chose. Montrez-moi-en un seul. Vous dites les pentecôtistes, oh là là. Je viens de saisir cette pensée de quelqu'un. Il vaut mieux laisser ça de côté maintenant, parce que je vois que ça touche un point douloureux. Je ne voulais pas vous blesser, mais je voulais simplement que vous sachiez que j'ai su ce que vous pensiez. Ceux qui ont mélangé sont allés de l'anti à la mort. Vous prenez la couleur de la mort quand vous mélangez quoi que ce soit avec l'originel. C'est comme Christ a dit au sujet du grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences, mais elle ne se mélange à rien d'autre. Le grain de moutarde ne se mélange pas. C'est du CNV, de la moutarde authentique. C'est pourquoi, si vous n'avez que cette quantité de foi, eh bien, tenez-vous-y. Remarquez, la vie suivait le cavalier sur son cheval blanc qui était la parole, la vie, confirmée
par ses saints ressuscités qu'il avait avec lui. Comment la bataille va-t-elle se dérouler? Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Si vous croyez en moi, même si vous êtes mort, vous vivrez. Celui qui convient et croit en moi ne mourra jamais. Et il a répété, « Celui qui croit en moi, il lui donnera la vie éternelle. Il le ressuscitera au dernier jour. » C'est sa promesse selon les Écritures. Voici Satan qui arrive des quatre coins de la terre avec ses protestants, ses catholiques et les autres. Tous ensemble montent à la montagne à la bataille d'Armageddon. Très bien. Et voici venir Jésus qui descend du ciel avec ses saints ressuscités. La parole confirmée. Comme je l'ai dit, si Dieu vous envoie par sa parole, il appuie ce que vous dites. Remarquez que si vous êtes un ambassadeur du ciel, tout le ciel est derrière vous. Le ciel consiste en la parole. Remarquez, il est venu avec les saints ressuscités, confirmant que sa parole est vraie. Ainsi, Satan sait que l'abîme sans fond est prêt pour lui, vous voyez. Oh là là! Tandis que la mort monte son cheval pâle, les credos et les dénominations mélangées le suivent. Oh là là! L'éternelle séparation de Dieu. Voilà où il les conduit, à l'éternelle séparation. Christ, lui, conduit son Église tout droit vers la gloire dans la résurrection. Regardez maintenant verset 8. Il lui fut donné pouvoir à eux. Qui est-ce? Voyez? Très bien. L'Antichrist qui est appelé la mort et le séjour des morts qui le suivait. Observez ce schéma en quatre points. L'Antichrist, cheval blanc, il tue par un esprit. Étant antichrist, il tue spirituellement. Numéro 2, le cheval roux, il tue par l'épée, par le pouvoir politique quand l'Église et l'État s'unissent. Le cheval noir, il distribue sa doctrine en la vendant. L'Église l'a fait avec ses fornications, pesant ce qu'elle leur a vendu pour de la nourriture, la leur faisant payer un denier, etc. Quatrièmement, le cheval pâle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Voyez le chiffre 4. Oh là là, gloire à Dieu. Ici, en terminant, à ceux... Moi, j'ai dépassé l'heure, mais est-ce que vous me donnez encore 10 minutes? J'ai eu tellement de coups de téléphone au sujet de ce que j'ai dit. Il y a tellement de fanatisme au sujet des lits que cela pourrait faire énormément de mal. Que Dieu me vienne en aide et vous, pour que je puisse vous aider à voir ce que je regarde, voyez-vous ici, ce type. Maintenant, en terminant ici, à ceux qui ne croient pas que le dernier messager aux âges de l'Église est Élie le prophète, un homme oint dans ce même esprit. Après la mort, regardez, après la mort de ce dernier âge de l'Église, maintenant remarquez ce qui arrive. Après sa mort, leurs corps morts sont détruits par les bêtes sauvages. Vous savez cela? C'est vrai. Leurs corps sont détruits comme celui de Jézabel, qui en est le type. Prenez maintenant Apocalypse 2, 18 à 20, je crois que nous avons vu cela il y a quelques minutes. Je l'ai noté. Le temps de la décadence morale, voilà ce que c'était. Remarquez comment Jézabel est entrée. Jézabel est... C'est cette église moderne, pas l'épouse maintenant. Jézabel dans l'Ancien Testament est le type de l'église aujourd'hui, selon la parole de Dieu, dans Apocalypse 2, 18 à 20. Tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Est-ce vrai? Maintenant, l'Église est typifiée parfaitement en Jézabel. Nous pourrions vous donner écriture sur écriture pour vous montrer que le message au dernier âge est un âge prophétique à l'Église, la rappelant à la parole originelle. Maintenant, remarquez, n'est-ce pas juste? Malachi 4 l'a dit, et d'autres, Apocalypse 17, etc., Jésus lui-même l'a prédit partout, comme il en fut au jour de Lot, et ainsi de suite. Cela revient tout le temps. Jézabel est le type de l'Église moderne aujourd'hui, parce que les catholiques et les protestants sont unis ensemble maintenant. On ne peut pas passer à côté de cela. Toutes deux sont des dénominations, c'est simplement la mère et la fille, voilà tout, elles se disputent et discutent. Mais c'est la même chose, ce sont deux prostituées. Oui. Maintenant, je ne dis pas cela moi-même. Je le cite de « Ainsi dit le Seigneur ». Très bien.
Maintenant, nous remarquons. Tué par ordre de Dieu, Jézabel, elle a été tuée parce que Dieu a envoyé Jéhu là-bas pour jeter Jézabel par la fenêtre et la faire périr, et les chiens ont mangé sa chair. N'est-ce pas juste? La Jézabel littérale. Quant à Akab, son chef, le roi, les chiens léchèrent son sang, comme l'avait prédit le premier Élie. Voyez-vous où nous allons, n'est-ce pas? Le premier Élie était un homme rejeté par les églises. Et Jézabel et Akab étaient la tête de ces églises, de l'église et de l'État ensemble. Et Élie révéla à Akab ses péchés et ordonna à l'église tout entière de revenir à la vraie parole. Si ce n'est pas exactement ce que le deuxième Élie doit faire quand il viendra dans l'église de ce jour, restaurer la foi originelle. Je ne vois pas comment vous pouvez échapper à cela. C'est juste. Retournez à la vraie parole. Si vous voulez voir leur corps, regardons dans Apocalypse 19. Après que la parole les ait mis à mort, la parole va les mettre à mort. Eh bien, observez, voyez ce qui arrive. Lors de la venue de Christ, dans Apocalypse 19, commençons au verset 17. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, regardez plus haut ici au verset 16. Son vêtement était teint dans le sang, il est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Et au verset 13, il est appelé la parole de Dieu. Maintenant ici, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange, maintenant observez comment elle continue, et de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants, avec laquelle il frappe les nations, de sa bouche, comme de la bouche de Dieu. Voyez, la bouche de Moïse. Et il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du fin de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il a, sur son vêtement, un nom, sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange, voyez, il s'avance pour frapper. Qui frappe-t-il? Jézabel et son Akab, le faux prophète. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il crie à voix haute, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu. Il les donne en pâture aux bêtes et aux oiseaux. Regardons encore ici l'autre chapitre, Apocalypse. Tué par l'épée et la mort et les bêtes de la terre. L'église Jézabel, son corps doit être dévoré par les oiseaux et les bêtes de la terre. Exactement comme Akab et Jézabel dans le naturel, ici, dans la forme spirituelle de l'église. Voyez-vous ce que je veux dire? Très bien. Élie fut le prophète au jour d'Akab et de Jézabel, naturel. Et il a promis de faire la même chose, selon le « ainsi dit le Seigneur » dans la parole, de faire la même chose à la Jézabel spirituelle. Son esprit, c'est la forme du ministère de son esprit. Observez qu'Élie, bien que correctement et profondément confirmé, ne put pas les ramener à la parole. N'est-ce pas juste? Bien qu'Élie ait tout essayé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il leur a montré des signes et des prodiges, et ils lui ont ri au nez. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le spirituel. Il ne put pas les ramener à la parole. Parmi les millions, maintenant écoutez attentivement, Église, parmi les millions qui vivaient dans le temps d'Élie, quand Jézabel et Akab régnaient, un type de l'antitype aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y en a eu que 700 de sauvés par la prédication d'Élie. Regardez. Élie, il pensait qu'il était le seul de sauver, jusqu'à ce que Dieu ouvre l'un des seaux et lui montre qu'il y en avait 700 qui n'avaient pas fléchi le genou.
Quand Dieu ouvrit son livre à Élie, il lui dit, j'en ai 700 qui sont cachés là. Leurs noms sont cachés depuis la fondation du monde. Ce sont les miens. Dieu ouvrit le sceau. C'est la raison pour laquelle je pense que Jean poussait tous ses cris, comme nous l'avons vu l'autre soir. Il avait dû voir son nom. Un jour, Dieu l'ouvrit. Élie avait prêché, il avait tout fait. Il avait prêché de tout son cœur. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Et cependant, il se sont contentés de dire « bof » et de l'insulter. Voyez? Il disait « Tu es la cause de tout ce problème. Tu es un spirit. C'est toi qui es la cause de tous les troubles qui sont en train de nous arriver. C'est toi le coupable. » Et Jézabel menaça de lui faire couper la tête. Tout le monde était contre lui. Alors il a dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Je me suis tenu exactement à ta parole. Quand tu me disais quelque chose, j'étais sans crainte. Je suis allé jusqu'au roi et je lui ai dit en face, ainsi dit le Seigneur. Et tu ne m'as jamais dit une chose, que je ne lui ai jamais dit une chose qui ne soit arrivée. Et maintenant me voici ici le seul qui soit resté de tout le groupe. Je suis le seul qui reste et il cherche à me tuer. Mais Dieu a dit, je vais ouvrir l'un des sceaux et te montrer quelque chose. Tu sais, j'en ai encore 700 là-bas. Qui n'ont jamais fléchi le genou devant aucun de ces credos, qui ne se sont jamais joints à aucune dénomination. Il y en a 700 qui sont prêts pour l'enlèvement. Oh là là! Il a dit à son prophète, à qui il révèle sa parole par les Écritures, j'en ai 700 des noms préparés dans cette génération. 700. Ils n'ont pas courbé le genou devant aucune organisation religieuse, comme je le dirais aujourd'hui. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors simplement, cela doit être ainsi. Ça doit être ainsi. C'est conformément à la parole. Quand cet homme entrera sur la scène, il sera un prophète, aussi vrai que je me tiens ici à la chair. Et il s'en tiendra exactement à cette parole. Il ne se laissera démonter par aucun credo ni quoi que ce soit. Ce sera un homme des bois, un type comme Élie et Jean. Il haïra les femmes immorales. Oh, comme il les prendra parti. C'est ce que firent Élie et Jean. Et il s'en tiendra exactement à la parole. Il sera contre les organisations. Les organisations, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Mais y voilà, les amis, le quatrième sceau a été ouvert. Les cavaliers des quatre chevaux ont été révélés au mieux de ma connaissance. C'est tout ce qui s'est produit sur la terre. Dans le sceau suivant, nous verrons les choses qui se passent dans le ciel où il y a les âmes sous l'autel. Pour terminer, je voudrais dire encore aussi quelques mots que j'ai notés. Nous avons parcouru ces quatre premiers sceaux. Demain soir, la scène va changer et nous quitterons ce qui se passe sur la terre. Jean lève les yeux et voit les âmes qui sont sous l'autel, l'autel du sacrifice. Le soir suivant, nous verrons le jugement tomber. Et le quatrième soir, le dernier soir, dimanche soir, je ne sais pas ce que ces autres sceaux signifient, mais il y a une silence une demi-heure. Pourtant, quelque chose se passe. Je m'attends à ce qu'il le révèle. Je suis satisfait qu'il le fera. Nous avons dû chercher dans différents passages des Écritures jusqu'à Apocalypse 19 pour montrer la venue de Christ, qu'elle tuera l'Antichrist. C'est la raison pour laquelle j'ai dû laisser ceci et prendre seulement ces deux versets. J'ai dû me référer à différentes parties des Écritures pour prouver ces choses. C'est la raison pour laquelle je suis allé jusqu'à Apocalypse 19 pour montrer que la fin de l'Antichrist sera la destruction par Christ quand il viendra mettre à mort l'Antichrist. Je me suis référé à Apocalypse 10 pour montrer que dans les derniers jours, le message du septième ange serait apporté par une personne ointe de Dieu, un oint de Dieu pour un ministère exactement comme Élie le prophète, selon ce qui est prédit dans Malachie 4, qui a révélé la véritable parole de Dieu dans cette génération. Comme il l'a fait à la naturelle Jézabel, de même cet homme le fera à la Jézabel spirituelle, les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre les versets 1 à 7 du chapitre 10 de l'Apocalypse pour prouver cela, ainsi que Malachie, Amos, etc. Élie était un prophète qui a prophétisé et condamné Jézabel
dans cette génération particulière. Et Élie n'est jamais mort. Certainement. Il apparut de nouveau quelques 800 ans plus tard aux côtés de Jésus-Christ sur le mont de la Transfiguration. Il n'est pas mort. Maintenant, nous trouvons encore que son esprit doit oindre un homme selon la promesse de Dieu dans les derniers jours. Il a promis d'agir de la même manière en esprit avec la Jézabel, comme il l'a fait avec la Jézabel naturelle dans le dernier âge. C'est pourquoi j'ai tellement utilisé la Bible pour prouver cela. C'est pour qu'il ne reste aucune question dans votre pensée. S'il y en a, faites-le-moi savoir. Écrivez une lettre ou un petit mot. Ainsi, tout s'ajuste parfaitement, même jusqu'aux bêtes qui détruisent leur corps naturel dans les derniers jours, les consumant, comme elles l'avaient fait alors. Au mieux de ma révélation, qui m'a été donnée par Dieu, où il m'avait prédit que cela se ferait, ceci est la vérité au sujet des quatre cavaliers, au mieux de ma connaissance. Que pensez-vous de Jésus? Maintenant, souvenez-vous, sans aucun mauvais sentiment envers aucune personne dans aucune organisation, parce que Dieu a des enfants dans le système catholique. Il a des enfants dans le système méthodiste. Il a des enfants dans le système baptiste. Combien de personnes venant de tous les différents systèmes sont représentés ici ce soir, qui sont sortis hors d'eux quand ils ont vu la lumière. Montrez-moi votre main. Souvenez-vous, il y a des gens tout comme vous, mais c'est le système qui tue. Voyez-vous? C'est l'esprit antichrist qui finit par les mettre dans une position où ils ne voudront même plus entendre la vérité. Souvenez-vous l'autre soir quand j'ai parlé du scellement, si un homme entendait l'appel du jubilé et refusait d'être libéré, on le conduisait vers le montant de la porte et on lui perçait l'oreille au moyen d'un poinçon. C'est par l'oreille qu'on entend, et la foi vient de ce qu'on entend. Alors, s'il entend, il refuse d'accepter sa liberté, alors il lui a demandé de servir son maître dénominationnel le reste de sa vie. Amen. Oh là là, n'est-il pas merveilleux? Levons les mains et adorons-le. Inclinons nos têtes maintenant, adorons-le, tandis que nous fredonnons ce cantique. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants. Je suis si heureux, Seigneur, si heureux pour toi et ton peuple. Ô Seigneur, tu as acquis notre salut au calvaire. Nous l'acceptons avec joie, Seigneur. Maintenant, éprouve-nous, Seigneur, par ton esprit. Et s'il y a le moindre mal parmi nous, une incrédulité par rapport à ta parole, ici, Seigneur, une personne qui ne ponctue pas chaque personne de Dieu par un amen, puisse le Saint-Esprit descendre maintenant, le cavalier au cheval blanc,
tandis que son esprit, l'esprit de Christ, en face de l'Antichrist, et il appelle les siens, appelle les seigneurs, que maintenant ils se repentent et qu'ils viennent rapidement à toi pour être remplis de l'huile et du vin et être changés de cette robe dénominationnelle de la mort pour la robe blanche comme la neige de la vie éternelle donnée par l'époux. Ensuite, ils iront un jour au souper des noces dans la parole de la résurrection confirmée. Accorde le Seigneur, sonde les cœurs, tandis que ces gens s'attendent à toi. Au nom de Jésus, maintenant, mon frère, ma sœur, sondez simplement votre cœur. Cela fait longtemps que je suis avec vous, environ 33 ans. Ai-je jamais dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas réalisé? Cherchez Christ maintenant pendant que vous en avez l'occasion. Il pourrait bien arriver dans très peu de temps, vous ne puissiez plus le faire. Il peut quitter le trône d'intercession n'importe quand. Alors, vous pourrez crier de tout votre cœur, taper du pied, parler en langue, courir d'un bout à l'autre de la salle, faire tout ce que vous voulez, vous joindre à toutes les églises. Il n'y aura plus rien, plus aucun décolorant pour vos péchés. Alors, où en êtes-vous? Où en serez-vous? Je crois, de tout mon cœur, que l'accès au trône est encore ouvert. Je crois qu'il est encore sous le trône de Dieu. Mais bientôt, il s'avancera maintenant. Il va réclamer ceux qu'il a rachetés. Il est en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur pendant que Ruth attend. Mais bientôt, vous savez, après que Boaz aura fait son œuvre de parent rédempteur, il viendra réclamer sa possession. C'est exactement ce que la Bible dit qu'il a fait. Il s'est avancé et a pris le livre. Alors, l'intercession est terminée. Il a quitté le trône. Il n'y a plus de sang sur le trône de miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le trône de jugement. N'attendez pas le jour disant, je pensais que l'enlèvement devait venir. La voix vous répondra, c'est du passé. Que Dieu vous aide. Maintenant, inclinons la tête. Frère Neville, venez pour congédier l'Assemblée, vous faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse. That again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go, and we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible.